Nouvelle VOD, lancée incroyable, c'est parti. Enfin, bref. Bah, est-ce que ça va, tu vois? C'est une question importante à poser. Est-ce que t'es un joueur Pokémon? Oui. Est-ce que t'es un joueur Pokémon Unite? Est-ce que nous recherchons des gamers? J'avais pas le temps, j'utilisais même pas mon PC. Ouf. Sinon ça va être... Bah ça va super. Hein. Hier soir, malheureusement, j'ai pas pu stream. Parce que ma mère avait son anniversaire le 8. Et hier, donc le 9, il y avait une grosse soirée de prévue chez moi. Et je pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Donc du coup, bah je suis vraiment resté jusqu'à la fin. Je me suis pas barré genre à un moment, tu sais, en mode ninja. Et bah du coup... Et bah du coup, j'ai pas trop pu jouer. Et bah du coup, je me suis dit, ouais, à 3h du matin... non, même un peu plus, genre 3h30, ça c'est fini. J'étais en mode, bon allez, on va jouer maintenant. À dormir. C'est bien de dormir. J'ai pas la Switch. Ah putain, rip. Sinon, c'est déjà sorti sur téléphone depuis genre 2 semaines. Voire un peu plus. Oui, même plus. Attends, calendrier 2021. J'écris calendrier sur internet. Le jeu est sorti, je crois, le 20 ou le 22 octobre. Non, 21, il me semble, je sais plus. Enfin, entre le 20 et le 20... septembre, pardon. Je crois que c'est sorti le 22. Donc ça fait une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ça fait 3 semaines que le jeu est sorti déjà. Et par exemple, il y a Fallen, viewer que tu as... qui est très présent dans le chat, bien évidemment. Qui est quasiment tout le temps là dans mes games Among Us. Et bah maintenant on joue quasiment à chaque fois ensemble sur Pokémon Unite quand je fais des sessions de jeu. Et lui il a commencé sur télé... Enfin il joue sur émulateur sur son PC. Mais il joue en tant que joueur mobile, on va dire. Ouais, je lui ai parlé l'autre jour sur Discord à Fallen. Peut-être. Je sais pas, je sais que t'as mis un gros pavé que j'ai lu vite fait. Parce que j'ai pas compris pourquoi tu l'as posté. Mais d'accord. Et il joue sur BlueStack. Alors, moi j'avais téléchargé sur BlueStack, mais je trouvais ça pas pratique. Et pas pratique au niveau des touches et tout. Et lui, il s'est mis sur un autre émulateur, mais je sais pas du tout si... Vu que ce soir, je pense que je vais y jouer. À Pokémon Unite. Faudra, et qui sera probablement là, tu vois, au moins dans le chat, même s'il joue pas, il sera au moins là dans le chat, je pense. Ça pourrait être l'occasion de lui demander, parce que je sais plus. Il reste que des messages à moi. Ah bah c'est pour ça, parce que genre j'avais vu des messages sur le Discord, genre je bossais à Monop, et je vois le... Et à ma pause, mon téléphone bien sûr, hein, parce qu'à ma pause bah, j'ai rien à faire. Et là je vois qu'il y a 20 millions de messages de ta part. Et je ne comprends pas pourquoi, puisque les messages, il n'y a que toi qui parles. Donc ça veut dire, ouais, les messages ont été désactivés, mais je croyais en fait c'était une conversation privée que tu partageais. Mais bon, ça m'a... Je me suis dit, mais pourquoi il met ça? Ah oui, tu lui demandes direct dans le chat du coup. En vrai, bonne strat, hein. Donc aujourd'hui, je sais pas, ouais, on va faire du Genshin là pendant un certain temps. Pokémon Unite, j'y jouerai ce soir, je sais pas si j'y jouerai avant. Mais bon, on verra bien. D'ailleurs, le groupe de mecs, on a enchaîné pas mal de wins sur un stream là. On a fait que gagner. On s'est créé un groupe Discord privé entre nous. Et parmi eux, le mec qui était notre jungler, il a joué hier, il a ramené 2 personnes dans notre groupe et il est passé master. Donc c'est bon signe parce que ça veut dire qu'on est réellement avec de bons joueurs. Et ça peut être bien pour monter. Mais je sais pas si on peut jouer entre Ultra et Master. Donc l'avant-dernier et le dernier rank. Il répond déjà. C'est vrai? Oh, énorme. Et ouais, tu peux jouer sur manette. Hein. Même BlueStack, tu peux jouer sur manette. Faut juste la configurer. Mais tu peux... Bah en vrai, faudrait que j'essaye... Faudrait que j'essaye. Pour voir si je lag moins.
Comme ça, tu vois, si j'ai un compte Smurf ou je sais pas quoi, ça peut être bien. Sachant que j'en ai déjà. Et oui, bien sûr qu'il y a le crossplay, sinon on pourrait pas jouer ensemble. Mais de toute façon, si tu... Sur le Discord Pokémon Unite sur lequel on est, là, t'as un joueur sur 3 qui joue sur Switch, je crois. Quasiment énormément de monde. Il y a une majorité qui est sur télé... Enfin, qui est sur téléphone, non, mais qui sont des joueurs... qui sont des joueurs mobiles. Genre, mobile émulateur, je le compte bien sûr, mais voilà, des joueurs mobiles, il y en a plus que des joueurs Switch, je crois. Après, ces joueurs mobiles, est-ce qu'ils jouent sur manette ou non? Comme je l'ai dit, je ne sais pas et je ne pense pas. Attends, j'ai regardé LD Player. Mais ça se trouve, il est en train de jouer en ce moment, Follen. Si t'as répondu... Ah non, il est déconnecté Discord, donc je ne pense pas. Je sais pas, je regarde un peu les... Les gens connectés et voir s'il y a des pseudos que je connais. Parce que Follen a énormément tryhard de jeu quand même comparé à moi. Je regarde un peu là au niveau des pseudos. Non. Ouais non, tous les pseudos connectés là en ultra je les connais pas. En vétéran non plus, ça me dit rien. Non mais faut jouer le soir. Hein. Je pense qu'il y a un moment où faut jouer c'est le soir. Parce que les mecs ils se couchent super tard en plus. Où je dois aller? Mais attends, j'étais en train de faire une quête normale, là, j'étais pas sur une quête quotidienne. Officiellement, mobile, physiquement, émulateur. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, je voulais regarder LD Player, ouais. Ça peut être intéressant. Among Us, bah oui, bah même les gens à l'époque, Among Us, ils jouaient comme ça. Je sais pas, faudrait que je regarde. Parce que j'ai déjà un compte Smurf sur lequel je n'ai jamais joué. Mais j'en ai un. Sur Switch. Mais je trouve que ça sert un peu à rien. Alors que sur mobile, tu vois, j'aurais un intérêt à la limite, tu vois. Si je veux jouer avec des potes. Ou que juste il y a personne de haut level sur le serveur et que je veux jouer avec des gens quand même. Même si c'est des noobs, tu vois. Au moins, je vais prendre du plaisir à défoncer des gens, tu vois. Genre juste je pique Zeraora, bon après il faudra 30 de win. Mais tu vois juste je pique Zeraora et puis basta. Ça peut être bien. Mais faudrait que mon compte Smurf sérieux soit sur mobile. Le compte que j'ai appelé La Ville bien évidemment. Il y a Italie-Belgique sur la Suisse. Je vais brancher ma télé, je reviens deux secondes. D'accord. Sur M6, ouais sur la Suisse j'étais en train de me dire what? What are you talking to me? Ouais non mais bien sûr, hein, fais-toi plaisir. Eh au pire tu regardes juste les résultats, finalement est-ce si intéressant de regarder les matchs. Bon, racontez ce qui s'est passé. Oui. Blablabla. Bla, bla, bla. Franchement j'avais trop envie de stream hier soir mais j'ai pas eu le temps. Je suis trop chaud aujourd'hui là, j'ai trop envie de jouer. Là j'étais deck parce que je voulais manger tôt et streamer, au final bah j'ai pu démarrer que là. Mais franchement, on va bien stream hein, ce soir. En plus là c'est cool parce que c'est juste cette semaine, il y a au niveau de mon emploi du temps, je suis du matin le mercredi et le samedi je l'ai demandé, mais je vais pas pouvoir stream samedi. Et à part mercredi ou enfin du coup à part la nuit du mardi au mercredi. Où c'est du Genshin, donc en vrai c'est pas trop grave. Tous les autres jours, je vais pouvoir vraiment bien stream, on va dire, le soir. Et ça, c'est cool. Vu que je pourrais me lever vraiment hein, à l'heure que je voudrais. Donc oui, j'ai bien fait une quête normale. C'était absolument pas une quête quotidienne. Mais c'est pas si grave, ça change pas grand-chose. Et re, du coup... je vais peut-être finir ma quête quotidienne, là. Parce que je suis parti sur des trucs, mais je me suis trompé, quoi. Tiens, bah je viens d'utiliser ça pour rien. Et on va parler à Shigeru Miyamoto. Du coup, ça se passe comment la rentrée chez toi? Et bah écoute, la rentrée, c'est très simple. C'est le 24 janvier. Donc, pour ma prépa, en gros, faut que je fasse 2 mois normalement de travail pour valider la prépa. Enfin, l'un des trucs nécessaires pour valider la prépa. Et vu que je suis en semestre décalé... Et que là, depuis mes rattrapages jusqu'au 24 janvier, j'ai rien.
Eh bien, faut pas faire 2 mais 4 moins. Et du coup, tu peux faire un truc dans l'informatique ou non, c'est vraiment comme tu veux. Et moi, j'ai choisi de chercher des trucs, des magasins à la con, genre en caisse ou en rayon, tu vois. Mais un truc assez simple, tu vois, où y a du choix, on va dire, où t'as beaucoup de. Tu peux tenter à plein d'endroits. Et du coup, bah, je suis allé dans ma ville, ou dans les villes autour de chez moi. Merde. Ah ouais, il y en a trois. Et du coup, j'ai tenté des Franprix, des Monoprix, des trucs bio, des Carrefour, Market ou je sais pas quoi. Enfin voilà, j'ai vraiment tenté tout ce que je trouvais. Je me baladais avec mes CV, avec ma trottinette électrique. Je me baladais de magasin en magasin. J'ai postulé partout. Et je crois au bout de mon cinquième jour où j'ai dit à mes parents, franchement, ça me saoule, je vais attendre d'avoir ma deuxième vaccination et je tenterai dans des trucs cons comme McDo, tu vois. Ou Burger King, vu que là-bas t'es quasiment obligé d'être pris. Eh bien, le jour même, eh bien, j'ai reçu un appel comme quoi bah, je devais aller à tel endroit, dans telle ville, avec ma carte vitale et mon RIB. Et j'ai été pris le jour même et j'ai commencé 2 jours après. Dans un Monoprix du coup. Et franchement, c'est vraiment cool. Juste, j'ai une supérieure que je trouve insupportable, que j'apprécie pas du tout, mais tout le monde est. Tous mes collègues sont cool, les clients ils sont cool. Enfin, c'est vraiment bien. En plus, le Monoprix est bien placé. Tu sens que là, les clients, c'est pas des petites racailles de merde. De temps en temps, il y en a, mais c'est juste des gens qui rentrent de l'école, tu vois. Et franchement, c'est vachement cool, je trouve. Et je suis en zone. Enfin, je suis en région parisienne, on va dire. Franprix c'est pourri, genre les fruits c'est pas cher, mais dans mon Franprix il y a des blattes et des gros insectes dans les fruits. Ah bah t'as pas de chance parce que moi tous les Franprix dans lesquels je suis allé, bah il y a zéro souci. Pareil celui où on peut aller, qui est pas extrêmement loin de chez moi, c'est quand même de la bonne, c'est quand même de la bonne qualité, tu vois. Ma sœur y a travaillé, elle s'y plaisait, tu vois. Un truc qui est très cool avec Monop, c'est que j'y travaille en tant que caissier. Là, ça fait un mois, ça fait 5 semaines que j'y suis. Et je n'ai fait que 3 fois des rayons. Dont cette semaine, ouais, parce que c'est ma chef de caisse que j'apprécie pas qui m'y a envoyé. En plus, à chaque fois, c'est elle qui m'envoie en rayon. Parce qu'aux caisses, bah, y a pas besoin de plus de personnes en caisse, donc autant aider les gens en rayon, tu vois. Et franchement, j'aime pas ça. Et je suis bien content d'être à Monop en tant que caissier et pas genre à Franprix, parce qu'à Franprix, je ferai les rayons en plus des caisses. Et non, franchement, c'est cool. Mais je fais du 30 heures par semaine. Et le temps passe vite. Vraiment, c'est un truc que je trouve cool, donc là. Comme je le disais hier, bah, à la nif de ma mère, quand je parlais avec des gens et que j'expliquais un peu ma situation, juste, on va dire là, c'est juste, ça me fait passer mon temps et en plus je me fais de l'argent gratuitement, dans le sens où je passe pas du tout un mauvais moment, genre vraiment, je suis là-bas et je m'y plais, tu vois. Oui, je travaille, genre c'est un vrai emploi, mais. Juste, j'y vais pas à contre-cœur, tu vois. Et ça, je pense que c'est plutôt bien. Et pour un premier emploi, franchement, je pense que je peux me sentir chanceux d'avoir trouvé un truc comme ça qui me plaise, alors que je ne pensais pas que quelque chose comme ça m'irait, tu vois. Franchement, pour moi, c'était juste un truc, voilà, vite fait. Ça peut être intéressant, mais sans plus. Mais non, franchement, je m'y plais vraiment. Monoprix, j'aime bien, ça fait chic, genre celui de Cap 3000 à Nice. Il est petit mais génial. Ah bah, moi, non, tous les monops, ils sont plutôt grands. Ils sont plutôt grands, enfin, vraiment, à chaque fois que je dois faire des rayons. Enfin, des rayons. Alors, il y a faire les rayons dans le sens où tu fais du facing, genre où tu avances les produits, tu sais, pour bien qu'ils soient tous en avant, des trucs comme ça. T'as ça pour les rayons et t'as aussi remettre des articles de temps en temps, les gens en caisse, ils prennent pas Ils prennent pas certaines choses, tu vois, parce que voilà, pour certaines raisons, genre ils veulent pas. Genre il y a une promo qui est pas passée, donc ils prennent pas, c'est trop cher, ils prennent pas, des trucs comme ça. Et ces produits-là, faut les ranger.
Et genre, c'est ce qu'ils appellent. Je ne sais même plus c'est quoi le terme pour te dire à quel point je le fais rarement. Mais en gros, de ranger ouais, les articles dans les rayons. Ça, c'est un truc où, quand on me dit de faire ça, je me dis, mais les gars, vous savez que je vais rester 20 ans, moi, parce que je ne connais pas les rayons. Parce que c'est un monoprix, genre, la ville. Enfin, je n'y allais jamais. Ce monoprix-là. Genre, celui qui allait à 1 km de chez moi. Putain, je peux pas le toucher là devant. Genre, voilà, je savais qu'il y en avait un, mais j'y suis jamais allé, quoi. Et là, bah, celui où je suis, bah, désolé, mais je connais encore moins, quoi. Déjà que de base, je connais pas, mais genre, Monoprix, j'y suis allé. Avant de déposer mon CV, j'ai dû aller dans. Allez, 3 francs. Dans 3 Monoprix dans ma vie, tu vois, et ça devait être le même en plus. Mais vraiment, là. Nouveau, quoi. Moi, je suis en 3ème, je sais toujours pas ce que je veux faire, je veux une seconde générale et tout. En premier emploi, emploi tout court, je sais absolument pas quoi faire. T'inquiète pas, t'as le temps. T'es en 3ème. Moi, en 3ème, juste, j'étais en mode putain, il me casse les couilles mon collège, je veux changer. C'est tout. Pourquoi ils spawnent pas les mobs d'ailleurs là? Moi, vraiment, en 3ème, juste mon collège, il me saoulait, je voulais juste changer de lycée, c'était ça ma priorité, on va dire. Ah, ils sont là-bas, d'accord. Et après, franchement, t'as le temps, quoi. À la limite, ouais, en première, tu peux commencer à y réfléchir, et après, bah, surtout la terminale, quoi. Mais franchement, en troisième, tu t'en fous, hein. Fais une seconde générale et vois après. À part si tu savais quoi faire. Putain, franchement, les dégâts sont vraiment pas mauvais, quoi. Pour un des dégâts de healer. Clean, hein. Ils ont tellement de vie ces mobs, on dirait pas. Ils ont trop de vie les mobs d'Inazuma. J'aimerais être un peu streamer comme toi, j'adore faire ça, mais je suis trop timide. Eh bien, dis-toi que je suis. Je pense que maintenant c'est plus. C'est toujours le cas, mais tellement moins qu'avant. Parce que moi j'ai commencé à faire des vidéos genre en 5ème. Bah, même avant, même un peu avant, genre en 6ème. Mais vu qu'en 5ème j'ai eu mon ordi, alors là, ouais, j'ai commencé à bien être actif sur YouTube. Et un truc que je disais, ouais, dans des FAQ à l'époque, où tu sais, quand t'es petit streamer, t'adores faire des FAQ, et après, bah, ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien, de toute façon, on pose tout le temps les mêmes questions. Mais ouais, ça c'est un truc qu'on m'avait demandé, genre pourquoi t'être lancé sur YouTube et tout. Bah, c'est parce qu'il y avait des gens qui m'inspirent, que ça motive, tu vois. Et c'est cool, franchement, de, on va dire, partager sa passion. Bon, maintenant il y en a tellement des gens que c'est tellement compliqué de fonctionner, à part en ayant vraiment The Concept ou un truc qui fait qu'on fonctionne, mais bon. À l'époque, c'était pas trop le cas, tu vois, on s'en battait les couilles, on se lançait comme ça. Et puis voilà, et au pire, ça marche pas. Aujourd'hui, je suis dans cette optique, juste, je m'en fous, tu vois, je produis des vidéos chaque semaine. Et puis basta, je fais entre 10 et 20 vues, mais je m'en fous, moi je fais ce que je veux, et puis voilà. Et ouais, dans les FAQ, c'était un truc que je disais, ouais, c'était un truc un peu pour combattre un peu ma timidité aussi, pour être plus ouvert. Et franchement, ça n'a pas trop joué. Mais quand même, j'ai pu développer des petits trucs. Tu vois, c'est quelque chose que j'ai mis sur mon CV, vraiment, comme quoi bah, je suis youtubeur, qu'avec mes SDF Movies surtout, j'ai fait vraiment beaucoup de vues. Quelque chose que je mets en avant, j'ai pas mal d'abonnés quand même. J'ai une chaîne à 18 000 et l'autre à 47, je crois, 1000. Avec Ival et la ville, donc c'est plutôt bien. Personne ne retient tes réponses dans les FAQ. Bah, c'est normal, hein. En même temps, les FAQ, j'en ai fait 2-3, je crois. Mais ça fait 20 ans que j'en ai fait, mais aujourd'hui, ça servira à rien que j'en fasse. Bon, en vrai, ça aurait vraiment d'intérêt d'en faire aujourd'hui, par rapport à mon évolution, mais j'aurais zéro question. Ma première FAQ, j'en ai fait une à 300 abonnés. Et j'avais, ouais, je devais avoir une vingtaine de questions. Aujourd'hui, je demande, ouais, pour faire une FAQ, bah, à part les gens de Discord, à la limite, tu vois, personne ne me répondra. Donc, bon. Alors on va faire les récompenses d'Inazuma là. Bref, je sais même plus. Ouais, pour la timidité. Bah, derrière, après, tu peux tenter. Hein, c'est. La timidité, franchement, dis-toi au pire, quand tu parles, juste si tu veux streamer sur un jeu par exemple,
Juste dis-toi que c'est comme si tu parlais à un pote, je pense que ça peut aider de se dire ça. Juste dis-toi, c'est comme si tu faisais un partage d'écran à un pote, tu expliquais ce que tu faisais et tout pour qu'il comprenne. Je sais pas trop parce que franchement ça fait tellement longtemps que je fais ça que je pourrais pas expliquer. C'est un peu instinctif on va dire maintenant, ça fait tellement longtemps que j'en fais. Même si ça fonctionne pas bien sûr, mais au moins le cœur y est. Mais ouais. De se dire ouais même si ça marche pas. Enfin même si ça marche pas, tu vois, faut pas se décourager, vraiment, ça c'est. C'est comme beaucoup de choses, mais vraiment, si tu veux fonctionner sur internet, ou même si tu veux un peu essayer de perdurer, même si ça marche pas très bien, tu vois. Faut se donner les moyens. Peut-être pas se forcer, faut pas se forcer non plus. Mais il faut s'investir quand même, tu vois. J'ai aussi peur des insultes sur le long terme. Dis-toi que sur 6 ans, 7 ans, je sais pas, 2015, 2014, je sais même plus quand est-ce que j'ai commencé ma chaîne actuelle, YouTube. En fait, à part des connards, juste à la limite, tu vois, tu les ignores. Tu verras les trucs, t'auras la critique, mais ils resteront pas. Ils resteront pas. Après, vu que ma chaîne YouTube a arrêté de fonctionner, ça, on va dire, j'ai plus aucun truc négatif. Mais c'est pas. Moi, ça m'a pas tant affecté. Ça m'a pas tant affecté, tu vois. Parce que les gens en classe, tu vois, ils savaient que j'avais une chaîne et c'était les mecs que je détestais le plus, on va dire. Parce que eux, tu vois, ils étaient vraiment chiants avec moi. Mais c'était les, on va dire, un peu les pires parmi tous ceux que j'ai pu connaître dans ma vie. Donc ça va en soi. D'ailleurs, on vient de m'appeler, donc je vais répondre. Donc ça va, c'est un peu le bully, hein, bien évidemment. Mais en vrai, ça va, c'était gentil, tu vois, mais je pense que j'ai eu de la chance quand même à ce niveau-là. Mais après, je faisais pas de la merde, je faisais pas du tout des choses pour qu'on me déteste ou je sais pas quoi. Genre, juste j'essayais de me donner quand même une bonne image. Tout en restant moi-même, on va dire. Mais je sais même pas, je sais même pas quoi dire en fait par rapport à ça, c'est. Genre la vie des insultes comme ça d'un random, je m'en fous, ouais voilà. Mais d'un gars qui revient ou qui était mon pote, ça me gêne. Ouais bah ça. Ça je pourrais pas trop te dire parce que perso ça m'est jamais arrivé. À limite juste ouais je parle plus à ces personnes tu vois et puis basta. Ou tu bloques hein. Tu bloques genre bon sur Twitch tu peux bannir, au pire si le mec il revient bah juste tu bannes ou je sais pas quoi. T'as de quoi contrer facilement ce genre de choses. Tu peux bloquer hein, tout ça, tu peux bannir, tu peux bloquer. Sur YouTube, tu peux masquer les commentaires d'une personne, enfin d'un certain compte YouTube. Sur Twitch, tu peux bannir la personne du chat. Sur Discord, bah juste tu bannes et voilà quoi. Et après, au pire, on va dire, si t'arrives à fonctionner, tu te construis une équipe pour essayer de combattre ça et puis basta. Ça doit pas être bien compliqué non plus quand même. Enfin bref, si tu veux te lancer sur le stream, vas-y, hein, juste si t'as un mauvais ordi, tu vas souffrir, mais. Parce que vraiment d'avoir un mauvais ordi. Bah mon ancien ordi portable, je ne pouvais jouer qu'à Minecraft et Rocket League. Mais je pouvais pas streamer de Rocket League parce que c'était pas possible, mon ordi n'était pas assez puissant. Et Minecraft, c'était très difficile vers la fin quand même. Je faisais autant d'FPS que sur mon Mac, quoi, alors que j'avais un ordi un peu gamers, tu vois. Donc ouais, un bon PC quand même, c'est important. Il ne faut pas hésiter à forcer pendant les anniversaires et Noël si t'as de la chance, ça peut passer. Mais oui, lance-toi, bien sûr, ça c'est un truc. Si tu dis ouais, je suis timide et tout, mais moi c'est le cas, plein de gens, même des gros youtubeurs aujourd'hui, tu vois, ils disaient ouais, j'étais vraiment introverti, timide et tout. Et c'est ça. Putain, il y a ma mère qui m'appelle, mais. これ。決勝せよ。はい。よっ。すまんすまん。お前ってほ。それ。よっ。
putain, c'est mon père, il m'appelle pour... Oh putain, les dégâts que j'ai pris, j'ai même pas eu. C'est ma mère qui m'a appelé pour savoir si je voulais prendre du gâteau, bah, de son anniv d'hier. Alors que mon père venait à peine de m'appeler pour ça. Oula, mais je suis un malade, moi, de taper avec elle. Tant pire, je me régène. Alors, pas de budget. Vu ma soeur cancer qui essaie de convaincre tout le temps mes parents de ne pas m'acheter à moi des choses trop chères, ça me bloque. Je suis coincé avec un bon PC, mais qui devient vieux. Eh bah écoute, Noël arrive bientôt. Ça sera l'occasion. Non mais je te comprends, mais après moi, on va dire, j'ai pu me permettre de demander des petites dingueries parce que j'ai jamais été trop gourmand niveau argent, on va dire, pour mes parents comparé à ma soeur. Donc j'ai pu me permettre de demander des petites dingueries de type PC. Et encore, ça va, hein, parce que quand même, si on retire les consoles genre DS, bah juste DS en fait, parce que la Switch, je l'ai eu pour... Ma Switch, mais non, ma Switch, j'ai même pas payé, qu'est-ce que je dis? Non, mais si on parle juste de PC, juste j'ai eu mon Mac en 5ème, j'ai eu mon PC Gamers à. Je crois en seconde ou première, et j'ai eu mon PC actuel fixe là, il y a un an. Attends, même plus d'un an là, je sais même pas, ça fait combien de temps que je l'ai? Non, là, ça va faire 2 ans, je crois déjà. Enfin bref, moi j'ai pu me permettre de demander des petites dingueries. Mais au pire, même si t'as un PC de merde, tu vois, si t'aimes bien un jeu, joue-y quoi. Bonus de dégâts cryo. Mais non, mais il est bien cette idée. Pourquoi j'ai jamais de bonus de dégâts pyro? Oh. Mais Noël, c'est 200 balles, mes anniv 50-70, ce sera long pour un bon PC avec l'argent de poche. Après, moi j'ai pas d'argent de poche aussi, tu vois. Mais c'est juste les anniversaires et tout, Noël avec la famille, tu vois. Ça va en vrai. Mais ouais, après, je suis tombé sur la bonne famille, on va dire. Pour comment je suis tombé sur la bonne famille. Parce que ouais, j'ai de la chance à ce niveau-là. Genre, je... Financièrement, tu vois, sans rien faire, j'ai de l'argent, tu vois. Tout cumulé de... Avec les anniversaires et Noël, tu vois. Ça va. Après, c'est pas un mal en soi de pas avoir énormément, on va dire. Mais ouais, au pire, tu sais, pour... on va dire, si t'économises, je sais pas, si tu t'achètes des trucs... on va dire par toi-même, vraiment avec ton argent, mais... au pire, t'économises... si on part du principe que tu achètes rien depuis quelques années... là t'attends un peu et normalement, allez, pour 1000€ t'as de quoi avoir un PC pas dégueu, tu vois. Pas un truc de fou, mais un bon truc quand même. Après je sais pas, je m'y connais pas trop en termes de prix et tout, parce que pareil, mon PC actuel, c'est, je l'ai eu pour mon anniversaire. Et c'est la seule chose que j'ai eu, tu vois, alors c'est quand même... on est un minimum raisonnable, tu vois. C'est, si j'ai un gros cadeau comme ça, je vais pas voir autre chose. Je suis à l'aise financièrement. Et bah voilà, tu demandes petite compensation parentale et c'est bon. Ça devrait aller. Non mais franchement, aujourd'hui, je pense de toute façon, la jeunesse, c'est pas très dur d'avoir des PC d'une bonne qualité, tu vois. Ça devrait aller. Ça va, on est en France, on n'est pas dans un pays pauvre, quoi. Bon, il n'y a plus que 2 fois, on fait ce donjon. Et après, on fait l'event de l'anniversaire. On va chercher des coffres. Et qu'on va pas les trouver, parce qu'ils sont trop bien cachés. Et là, l'event d'anniversaire de Genshin... pas ouf. Ah, d'ailleurs, on a des openings à faire pour après. Ouais, je viens de m'en rappeler, mais... Aïe. What? Ah merde, ça a utilisé son ult? Oh non!
Je ne voulais pas. Je ne voulais pas utiliser son ult. Enfin, je voulais l'utiliser, mais pas là. Misère. Après, je reviens au truc, on va dire, de la timidité, mais lance-toi. Lance-toi, il n'y a que comme ça que tu sauras si oui ou non tu t'apprécies ça, et au pire, ta timidité, on va dire, tu la vaincras. Faut pas avoir peur de la critique, surtout quand tu débutes, sinon ça va juste te bloquer, c'est un cercle vicieux, tu vois. Et même quand t'en reçois, tu vois, vraiment, je suis d'accord, ça fait chier quand t'es un petit... Quand t'es un petit streamer ou youtubeur, vu que moi j'ai commencé avec YouTube, ça casse les couilles d'avoir de la critique, parce que tu sais même pas pourquoi les gens, on va dire, ils te critiquent, parce que souvent ils ont même pas d'argument, tu vois. C'est juste comme ça, c'est gratuit, et voilà. Mais surtout, c'est pareil, genre, les mecs, dis-toi, s'ils ont aucun argument, bah juste... c'est des mecs qui sont juste là pour rien, juste pour faire chier gratuitement. Y a même pas de critique, y a rien pour te faire évoluer, donc juste... t'ignores. Faut passer au-dessus de ça, vraiment. Genre, si vraiment, ouais, t'en as en masse, tu vois. Ouais, tu peux... Allez, tu peux les prendre en compte, mais vraiment, si t'en as un ou deux, tu t'en fous. Miséricorde, eh oui. Pourtant, j'ai une bonne motivation, mais faut pas hésiter, hein. Vraiment, ça, c'est un truc... En plus, c'est un domaine... Faut vraiment se lancer pour savoir si, oui ou non, tu vas... T'es un peu fait pour ça, tu vois. La seule fois où je me suis fait critiquer, c'est sur une de mes vidéos MC où on m'insultait d'Orakil. Mais là, j'avais pété un câble tellement c'était marrant. Mais ouais, tu vois, à la limite, tu tentes des trucs comme ça. Mais je pense... Je sais pas, si tu veux tenter de streamer... Parce que un truc, je pense, pour Twitch, vraiment, à part si t'as énormément de chance, tu ne peux pas fonctionner sur Twitch comme ça. T'es obligé d'avoir YouTube. Ou TikTok, ou... Enfin, TikTok aujourd'hui, vu que c'est un truc qui a boosté pas mal de gens. Mais honnêtement, je pense que si t'arrives à avoir une chaîne YouTube qui fonctionne plutôt bien, tu peux lancer une chaîne Twitch derrière. Ou même, enfin, tu fais les deux en même temps, tu vois. Mais faut essayer vraiment d'avoir une commune assez fidèle sur YouTube, tu vois. Juste, on va dire, t'as une cinquantaine de personnes actives sur tes vidéos. Juste ça, genre, ça peut te permettre de lancer ta chaîne Twitch pour essayer d'avoir, allez, entre 5 et 10 viewers constants par stream, tu vois. Parce que moi, c'est pas du tout le cas. Parce que ma chaîne Twitch, elle est pas du... Enfin, ma commu Twitch, on va dire, n'est pas du tout basée sur ma chaîne YouTube. Il y a très très peu de gens qui me connaissent de YouTube, grâce à YouTube. Alors que t'as plein de gens qui fonctionnent bien grâce à YouTube, tu vois, Antoine Daniel. Vraiment, vu le personnage, je pense qu'il aurait fonctionné sur Twitch, tu vois. Mais grâce à sa chaîne YouTube, juste, il a explosé, quoi. Évidemment, genre, t'as des gens comme Zerator qui fonctionnent très très bien, pas grâce à YouTube, mais... Je pense que YouTube est un bon boost. C'est un bon auto-boost qu'on peut se faire. Parce que les raids et tout sur Twitch, ça, vraiment, ça marche pas, hein, ça sert à rien. Hein. À la limite, c'est juste pour avoir des viewers pendant, allez, un quart d'heure de plus sur ton stream, mais c'est tout. Mais enfin, bref... Après, un truc aussi, c'est par exemple, moi là, je suis un youtubeur sur Pokémon Unit. Et franchement, je l'aime vraiment bien. J'aime bien son contenu. Et tu vois, lui, il a lancé son Discord. Je suis pas allé dessus, parce que je m'en fous, mais. Juste, il a bien géré, on va dire, son contenu. Et genre là, il monte tranquillement, tu vois, mais il fait des milliers de vues par vidéo. Il marche vraiment plutôt bien, tu vois, pour une petite chaîne. Et s'il lance sa chaîne Twitch, enfin, je pense qu'il fait déjà du Twitch, mais il doit avoir vraiment beaucoup de viewers, quoi, tu vois, comparé à moi. Parce qu'il y a YouTube qui l'a vraiment permis de le lancer. Et ça, je pense que c'est vraiment une stratégie à avoir, tu vois. C'est YouTube, ça permet tellement de lancer ta chaîne Twitch. Je pense que vraiment, si tu cherches à fonctionner et pas juste à jouer, on va dire, tranquillement, tu vois. Si tu cherches à fonctionner, la phase YouTube où tu passes par d'autres réseaux, du moins. C'est YouTube, je dis YouTube parce que c'est...
Je pense que c'est l'une des meilleures options, mais c'est vraiment quelque chose qui permet de bien booster, de se lancer dedans. Bon. J'ai eu pas mal de pourcentages là. Ouais, 94, 89. Bon, là, 50 et 56, c'est pas beaucoup. L'île du milieu que j'aime pas. Donc, vas-y, on est parti. On va faire la. On va faire le truc de Dodragon et je vais ouvrir la page internet. Normalement, je l'ai sur mon Mac. Je n'ai pas sur mon Mac, donc je vais l'avoir sur mon ordi. Ouais, voilà. Hop. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, ça va être très chiant parce que juste, je vais chercher des coffres et des trucs. Mais je crois qu'il y en a beaucoup moins dans cette zone et qui vont être assez simples à trouver. Allez, on est parti à deux dragons du coup. Putain, en vrai, si j'avais genre une tablette ou un truc comme ça, qu'est-ce que je kifferais le mettre. Ça m'aiderait tellement pour gagner du temps. Ding-dong, ding-dong. Alors. On est parti pour la quête chiante. On est à 38 minutes de stream. Alors, on va commencer déjà par quoi là? On va commencer par les chests. Parce que les chests, c'est le truc le plus chiant à faire. Ah oui, mais en plus, il y a le froid. Oh, putain. Avec cette zone, je la déteste pour ça. Ouais, là, faut que je descende. On verra. Là, ça va être de la souffrance, hein, vraiment. La zone la plus chiante pour se balader, bien sûr. Alors, normalement, il y a un coffre, mais pas du tout ici, en fait. Enfin, en vrai, la zone est cool, mais le problème, c'est le froid, quoi. C'est... Je crois qu'ils l'ont nerfé, le froid augmente beaucoup moins vite qu'avant. Alors, normalement, il y a un coffre ici. Là, il y a une amulette. Mais attends, je suis bien sur les moon chests, bah ouais. Alors si je regarde la map, normalement c'est genre là qu'il y a un coffre. Là sur là où je pointe ma souris. Donc c'est censé être là. En effet. Je vais vraiment essayer de louper aucun coffre parce que la dernière fois bah, je l'ai fait en off et je galérais à trouver le dernier coffre. Là il y en a un. C'est pour ça on va d'abord récupérer les coffres puis on va récupérer les amulettes. Parce que les amulettes sont très simples à trouver. Alors on a un coffre à droite et à gauche, on va d'abord prendre celui de droite. Mais après en vrai dans la zone normalement les coffres devraient être assez simples à trouver tu vois. Je pense pas qu'ils soient méga bien cachés. En vrai, on va prendre l'arge étoile. Parce que je... Je sais pas, en fonction des personnages qui sortent, je vais peut-être utiliser la lance de dragon. Et vu que cette arme est bien, ça peut être cool. Je sais pas s'il y a... Je suis plein d'artefacts. Ça, c'est que j'ai trop d'artefacts 3 étoiles. 4 et 5 étoiles, pardon. J'en ai trop. Alors, le coffre d'ici, je l'ai pris... donc maintenant, faut que j'aille là-bas. Au moins, ça va, ils sont pas durs à trouver, genre. Ah, combat. Les dégâts. Ah, mais on met des patates, hein. On met vraiment des patates, hein. Allez, on monte en haut. En fait, je me dis, si aujourd'hui Genshin, bah, je dure pas jusqu'à très tard, qu'est-ce que je ferais? Pokémon Unite, c'est ce soir, mais est-ce que je fais... Est-ce que je suis un fou et je me permets de faire deux streams Pokémon Unite aujourd'hui? Ah oui, mais du coup, le fait d'être plein d'artefacts, ça m'empêche de faire ça. C'est chiant parce que mes persos, ils sont pas... J'ai pas les artefacts optiques, quoi. À la limite, ici. Si j'ai des bons... Oh non, mais ça pue la merde, ça.
Lui il est bien tu vois mais lui il est nul mais juste il a recharge d'énergie donc c'est bien. Bonus de dégâts cryo. Taux de crit. Bah déjà je peux augmenter les items de Fischl. Ça c'est sûr. Mais du je crois je les ai... Non je l'ai pas monté le level 20. On va peut-être monter ça Bonus de dégâts électro que j'ai déjà beaucoup monté. Ici taux de crit donc ouais j'ai dû le monter. Ah ouais et ici pourquoi qu'est-ce que je pourrais avoir de mieux? La recharge d'énergie ouais ça pourrait être bien. J'ai déjà... Je crois que j'ai déjà utilisé tous mes items recharge. Et même il m'en faut un comme ça donc c'est mort. Je dois pas en avoir. Après l'item n'est pas mauvais, maîtrise dégâts recharge c'est cool quand même. Donc je pense qu'on va monter cet item. Ouais parce que là maîtrise recharge c'est pas ouf ce qu'on a. Et ici, cet item est bien. Celui-ci il est bien donc en vrai on va le garder. Parce que je ne pense pas avoir mieux. Attends, attaque recharge def taux. En fait il me faudrait taux. Taux et dégâts critiques ça peut être bien. On monte en haut. Oui, non mais normal, c'est... On va pas, tu vas pas me critiquer pour ça quand même, c'est quelque chose de très normal à dire. Recharge, attaque, maîtrise. Non, non. Non mais j'ai rien, de toute façon, mais j'ai... Les items comme ça, c'est qu'ils sont pas intéressants si je les utilise pas. Non, j'ai rien, je pense. Hein. Non, je pense que j'ai pas mis honnêtement. Ouais, et là, je suis sur des items qui ont que 3 substats. Ouais, vas-y, je vais augmenter ça et après, peut-être celui-ci. Comme ça, on booste un peu ma Beidou. Mais en vrai, faudrait que j'utilise un peu des items 4 étoiles. Enfin, des artefacts 4 étoiles. Voire 5 étoiles parce que j'en ai trop, quoi. A la limite, ce que je peux faire, c'est me débarrasser de certains 5 étoiles pour essayer d'obtenir du stuff de ce type-là. Ça pourrait être bien, parce que si ça se trouve, j'aurai un meilleur item. Avec de meilleurs substats ou des meilleurs stats, je sais pas. Genre ici, la recharge d'énergie, par exemple. Pour Beidou, en vrai, c'est bien. Et que normalement, son ult, tu le places, mais tu joues pas... Tu joues pas le perso direct, quoi. Je vais y aller, je vais aller la fermer avec mes parents. A plus, c'est bon stream. Bah, merci d'être passé, c'était cool de parler. Et à une prochaine sur Twitch, bien sûr. Ou tu seras sur Twitch. Bon, allez, salut. Et nous, on va continuer d'augmenter les items. Mais ouais, du 5 étoiles, là, j'en ai 20 millions, quoi. Et encore, là, c'est pire, hein, vraiment. J'en ai tellement des items comme ça. Mais ça serait tellement bien si on pouvait... Juste faire plus que 6 artefacts à chaque fois. Alors pour l'instant, n'empêche, les stats augmentées sont cool. Ça a augmenté une fois les dégâts critiques, une fois la maîtrise. C'est juste les PV n'ont pas encore été augmentés et ça j'aime bien. Je sais pas si la recharge a été augmentée une fois. La recharge... Ouais, c'est triste quand même. Mais ça, c'est un truc que je veux pas abandonner, hein, vraiment. Twitch et YouTube, c'est quelque chose que je ne veux pas abandonner. Il est trop tôt pour que j'abandonne. Mais juste, va falloir... j'attends mon heure, quoi. J'attends mon heure, j'attends le moment où j'aurai l'idée qui me permettra de fonctionner, mais en France surtout, quoi. Que ce soit sur YouTube et Twitch, parce que... bon, c'est pas réciproque, mais YouTube permet de fonctionner sur Twitch, selon moi, vraiment. Donc si je trouve le concept qui me fera fonctionner dans le YouTube français et pas international... International, tu vois, c'est bien. Au pire, ça me fera de la thune. Ça me fera un peu d'argent et ça sera cool, mais... Si vraiment je pouvais fonctionner... ce serait bien, quoi. Je vais pas dire non. Alors, level 20, on augmente les PV malheureusement. Bon alors, ma Beidou, ses stats actuelles du coup. Maîtrise élémentaire pas folle, une défense pas folle, une attaque pas folle, des PV pas fous.
Par contre, taux de critique 45%, dégâts critiques 87, recharge d'énergie 127, pas incroyable mais ça va. Et gros bonus de dégâts électro. Et ça, je pense que c'est le plus intéressant actuellement. Ok, donc on parlait des coffres, donc là on a avancé, donc maintenant on va en haut à droite. Normalement ça devrait être sur le chemin côté plutôt gauche, bah voilà. Ah, j'espère tous les coffres ils sont évidents à trouver. Hein. Est-ce que le truc chiant on va dire avec cette... avec la façon de chercher les choses... Putain, je crois que c'est la première fois que j'arrive à en buter un en d'un coup. Le truc bien... Là, c'est qu'ils sont à l'extérieur, mais à chercher tout seul sans avoir allez, un petit guide à côté. Qu'est-ce que ça doit être chiant de chercher les coffres. Genre un monde stat élué, on va dire que ça allait. Parce que la zone n'était pas non plus énorme, mais là, elle est grande la zone. Elle est vraiment grande la zone. Et c'est assez compliqué. Donc je suis bien content d'avoir internet. C'est bien internet quand même, hein, finalement. Ok, alors où est exactement le prochain? Ouais, faut que j'aille en haut à gauche. Ah, il est là, non? Ah, il est un peu caché, hein. Ils font quand même des coffres cachés. En vrai, pas tant que ça. Mais il est caché un peu. Donc maintenant, on va à droite. Et je pense que ce sera sur le chemin, on le verra. Est-ce que c'est celui-là? C'est celui-là. Oh, pas Ouais, en vrai, j'ai plus aucune difficulté à les combattre maintenant. Hein. Si on cumule balles et l'électrocution avec Barbara, ça va, hein, tranquille. Alors, j'ai fait tout ça normalement. Ouais, j'aimerais bien clear la, on va dire, la partie que je vois là. Donc, on va en haut maintenant. On fait full en haut, on prend même pas les coffres sur le chemin, sinon ça va casser les comptes. De toute façon, j'en vois même pas. Donc juste, on va aller en haut, là. En haut, là. Là. Allez. Continuons. J'espère qu'il ne me focus pas. Au pire, c'est un type haut, lui, je crois. Donc ça va. Alors, est-ce qu'il faut que j'aille jusqu'au TP, par contre? Ah non, faut que j'aille à gauche, là. Je suis pas allé au bon endroit. Donc là, non, faut que j'aille à gauche. Tiens, il y a une amulette. Pareil, les amulettes, on les prend pas... ça, je l'avais dit tout à l'heure. On les prendra après. Comme ça, je serai pas perdu au niveau des comptes. Ok, donc, depuis ici... Bah, je ne suis toujours pas au bon endroit. C'est là-bas qu'il faut que j'aille. Et là, on voit les deux premiers coffres, d'ailleurs. Ouais, tu vois, chercher les coffres par soi-même... Genre sans internet, sans rien, c'est chiant quoi. Bon, eux on est un peu obligé. Bon, on est même pas obligé de les combattre, non? Qu'est-ce que je dis? Ouais, voilà, rien ne nous oblige à les combattre. Alors, on a fait ces deux-là. Lui, je crois que je l'ai. Ouais, lui, je l'ai fait. Donc maintenant, faut que j'aille vers là. Donc par là. Normalement, il devrait être ici. Ou un peu devant. Ouais, il est là. Maintenant, on va en bas et on en aura trois normalement. Genre, on en a un là, deux là et un que genre par là, tu vois. Ouais, non, là, juste faut que j'aille là-bas. Ah, peut-être ils sont en hauteur. Je pense pas qu'ils aient mis des coffres en hauteur, en vrai, parce que c'est très chiant de chercher des choses en hauteur. Dans l'IUE, ils l'ont pas fait. T'avais des amulettes, mais pas des coffres, carrément. Attends, on poursuit encore, là? Alors... Il y en a un, là, que j'ai loupé. On va revenir un peu en arrière. Ah oui, mais d'accord, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de chemin. Il est là. Ah oui, d'accord, en plus il est vraiment... Il est pas très visible. Hein. Ah,
Ok. Ça, quand ça arrive, c'est très rare, mais en vrai, c'est marrant. Que les épées se barrent. Mais je crois que c'est cette épée-là aussi la dernière fois qu'il s'était barré. Ouais, voilà. Je me doutais un peu qu'il y en aurait une en hauteur. En vrai, ça va, les endroits où ils sont cachés, les coffres sont assez évidents. Et même, c'est chiant de les chercher comme ça. Du coup, je crois qu'on a pris le premier. Il y en aurait un genre là. Par là. Ou en hauteur. Très bâtard en hauteur quand même. Sais pas, faut que je full zoom pour voir. Si on avait genre un là, j'imagine. Je crois que c'est celui que j'ai pris. Non, l'autre il a l'air d'être vraiment en hauteur. Hein. Ouais, non. De ce que je vois sur la map, sur le site, ce coffre-là serait en hauteur. On va voir. On verra bien. Après, ouais, j'y repense pour fonctionner sur Twitch, mais pareil, les jeux auxquels tu joues, c'est vu que c'est Twitch Gaming, moi, bien sûr. C'est très 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 important. Et tu vois, Genshin, vraiment aujourd'hui, tu ne peux pas fonctionner sur une chaîne YouTube Twitch qui fait du Genshin si tu ne fais pas du YouTube Genshin à côté, genre. Si t'as pas un truc genre no cap ou je sais pas quoi, vraiment des. Ah ouais, il est bien. Il est bien caché, lui. Pourquoi il drop pas direct dans l'inventaire tous les items? Ça, je comprends pas par contre. Tu vois, par exemple, bon, je fais de The Witness sur un let's play, mais. À la limite, au pire, ouais. En fait, je me dis, faudrait que ma chaîne YouTube, à la limite, je la continue, mais il faudrait que j'en fasse une autre à côté. En vrai, j'ai le temps. En vrai, j'ai le temps, juste faudrait que je sois moins actif sur Twitch. Hein. Mais en vrai, j'ai vraiment le temps de me lancer sur une chaîne YouTube spécialisée dans quelque chose. Mais juste faut que je trouve quoi faire et mon concept. Parce que c'est très, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est très dur de fonctionner sans rien, quoi. Si t'as aucune carte à jouer, ta personne à elle seule ne suffira pas, tu vois. Ou du moins, vraiment, faut être the élu, quoi. Faut être vraiment l'élu. Tu peux plus fonctionner. Aujourd'hui, ça marche plus. Il y a tellement de gens pour se démarquer, c'est très compliqué. Mais ça, c'est vraiment un truc auquel je pensais, de trouver vraiment un moyen de me démarquer, mais on va dire que je suis en recherche parce que je ne sais pas quoi faire. Ouais, parce que genre, juste jouer à des trucs qui te plaisent. Quand ça fait longtemps comme moi que t'es sur internet et que tu vois que ça fonctionne toujours pas, ou du moins que t'as fonctionné, mais juste bah, vu que j'étais pas sur Twitch à l'époque, j'ai pas pu profiter de ce boost là. C'est dur. À la limite, je me dis, vu que Nagato m'a raid récemment, que c'est un mec que je connaissais d'avant, et qui se fait un peu boost pour monter, je me dis à la limite, tu vois, faudrait que j'essaie de faire pareil. Ou à la limite, de me remettre sur des vidéos LG. Voir comment ça se passe et en profiter pour vraiment puber à mort mon Twitch. Ça peut être une solution, mais ça me fait un peu chier de faire ça parce que j'ai déjà joué cette carte. J'ai déjà joué cette carte, mais à la limite, pour relancer ma chaîne YouTube et au passage me booster un peu sur Twitch, ça peut être cool. Mais là, je me dis, est-ce que ça sera efficace vu que j'ai déjà joué la carte des LGUHC? Parce que j'allais dire la mode est passée, non, mais on va dire les mecs qui ont pu se faire connaître grâce à ça, ce mouvement là est passé. Genre maintenant t'as juste les mecs qui ont réussi à s'imposer et qui continuent, mais t'as pas de nouveau dans les LG, enfin dans les UFC. Pareil, faudrait que je trouve un groupe et tout, faudrait que je m'améliore en PVP, et ça c'est le truc qui me saoule, c'est le PVP quoi. J'ai absolument pas un niveau nécessaire. Enfin, mon niveau n'est absolument pas suffisant, quoi, plutôt.
Alors, merde, je sais même pas quel coffre je viens de prendre. Ok, donc il y en a un en haut là. Il y en a deux au-dessus de moi. Normalement, j'ai tout fait après. Ça me ferait vraiment chier d'en avoir oublié, ne serait-ce qu'un seul. Sinon, je vais devoir tout refaire. Ouais, il y en a un là et un sur la petite île là-bas. Hein, au moins, ils sont évidents, tu vois. On n'a pas besoin de les chercher pendant 20 ans, même si on sait où ils sont. Ah putain. Pourquoi 90 là? Ils sont tellement haut level. Ok, donc on a pris quoi? On a pris ces trois là, donc maintenant... Ouais, faut que je prenne un nouveau TP. Hein. Vas-y, on va aller là. Là, dans ma zone, il y en a trois, genre. J'imagine qu'il y en a un au moins en hauteur, voilà. Ah, je sais pas si je l'aurai. Je suis trop bas. Je suis trop bas rien après, je crois. Oh putain. let's go. Il y a une amulette en haut. Je pense pas qu'ils mettent plus que ça. Ok, donc là j'ai pris lequel? Là j'ai pris celui du milieu. Donc là faut que j'aille ici, là, par là. Ouais, il est là. J'ai regardé où est-ce qu'il est le dernier. Ah non, là j'ai pris celui le plus haut, donc non, là faut que j'aille plus vers le sud du coup. Donc il peut être vraiment en hauteur. Ou par là, genre. Je pense qu'il est par là. Et je me demande, est-ce qu'avec Pokémon Diamant, je vais enfin fonctionner un peu? Parce que je me dis, ça peut être très intéressant d'essayer de me lancer à fond dans le speedrun du jeu. Sachant qu'au début du jeu, bah... très peu de gens le font, quoi. Donc ça pourrait peut-être une manière de démarquage, bien évidemment. Ça pourrait être bien. Mais bon, j'en sais rien. J'en sais rien, faudra que je tente. De toute façon, je pense que le truc qui me permettra de marcher un peu comme à l'époque, faut le chercher, quoi. Faut chercher, faut se donner... Bah, pareil, ce que je disais tout à l'heure à Flibé, c'est... Faut se donner les moyens, voilà. Mais bon, malheureusement, ouais, ça se fait pas comme ça, sauf si t'as de la chance. où est-ce qu'il faut que j'aille? En vrai, non, là, je suis bien. Il y a un coffre sur le chemin, là, en dessous de moi, normalement. Ouais, il est là. Et il y en aura un autre, un peu plus au nord. Évidemment, on saute de 5 mètres, on meurt, mais si on fait une attaque, tout va bien. Normalement il est là le coffre, il doit être en dessous de cet arbre je pense. Ou derrière, ouais c'est ça. Alors si je touche l'eau, ça va être très dur pour moi. J'attendais que Eula ne soit plus gelé. Et quand tu regardes vraiment les mobs, ils ont tellement pas de vie, ils sont tellement pas résistants. Donc normalement on a fait tout ça. Donc maintenant il me manque plus que le nord. Normalement il me manque que 6 coffres. On va regarder. J'espère vraiment qu'il me manque que 6 coffres actuellement. Yes, c'est bon. C'est bon, j'en ai loupé aucun. Parce que ça veut dire que t'as 40 coffres en tout. Et que après tu dois avoir ouais, 30 ou 20 amulettes qui valent 2 à 3% l'unité. Mais vu que là on est à 34% et qu'il me manque bien que 6 coffres, ça veut dire que j'en ai vraiment loupé aucun. Et que je vais pas être emmerdé à les chercher après. En vrai j'avais très peur de cette zone là. Finalement, meilleure zone pour chercher les coffres. Parce que à part quelques rares qui sont ouais, bien cachés, tous les autres ça va franchement.
Je peux pas le toucher là. Putain, le jeu ne me capte pas d'ici. Étonnant. Bon, flemme de prendre ce coffre. Par contre, là, voilà ce que j'allais dire. Ah, donc là, ça drop direct dans mon inventaire. D'accord. Après, là, je suis en train de voir, mais c'est pour ça que j'ai beaucoup d'argent. Parce qu'en fait, avec les events, t'as plus besoin de farmer l'argent. C'est trop bien. Se remettre full vie. Énorme. Ok. Alors normalement il y a un coffre pas très loin. À moins que j'ai déjà pris le coffre le plus proche. Non, normalement il y en a un. Il y en a un devant moi là normalement. Ou ici là derrière peut-être. Non, je crois que j'en ai loupé. Hein. Au moins l'avantage c'est que si je ne trouve pas des coffres, je sais à peu près où ils sont. Parce que là je sais qu'il m'en manque que 6. Enfin 5 maintenant. Mais le truc c'est que je sais pas lequel je viens de prendre. J'en ai peut-être loupé un. Non parce que j'en ai pris un ici. Ouais non normalement. Normalement il y en a un autre là. Ça se trouve je m'en suis même pas rendu compte et je l'ai pris. Non non je l'ai pas pris. Normalement je devrais avoir un coffre ici. Ah putain non il est là. Ah ouais, lui c'est un coffre bâtard tu vois. Lui il est caché. Putain ils sont déjà morts. Je l'ai vraiment fait en deux coups. D'ailleurs maintenant dans les animés, la seiyuu de balle j'ai l'impression de l'avoir tout le temps. Voilà, faut juste que j'aille tout droit, normalement je le verrai. On s'en fout de ces blobs. Pas besoin de les fight. Est-ce qu'on l'a pas loupé? Oui. D'ailleurs la semaine prochaine, peut-être vendredi, ah oui, bah il est là, d'accord. J'essaierai de jouer avec mon gars vendredi. Vu que j'ai pas joué cette semaine. Et voilà, je peux plus de choses à dire par rapport à ça. Mais ouais, j'étais assez deck de pas avoir pu y jouer quand même hier. J'aurais bien aimé pouvoir, mais j'ai pas pu. Allez, plus que 3 du coup. Donc il y en a un, j'imagine, en dessous du pont, un qui est sur le chemin. Donc là, juste faut que je suive le chemin et puis pas stop. Hein. Et on va prendre des petits dégâts de froid. C'est pour ça que cette zone était chiante. Hein. Alors est-ce qu'il est en dessous ou sur le pont du coup? Je pense qu'il est en dessous. Hein. Oh merde! Je me suis noyé. J'avais même pas vu que j'avais pas d'énergie. Bon au moins ça reset le froid. Par contre, où est le coffre? Normalement, non, il est vraiment... Ah mais attends, mais là, je suis sur les coffres ou les amulettes? Non, je suis bien sur les coffres, pourtant. Je sais pas où il est, le coffre. Une amulette, je ne voulais pas. Oh putain, il est là. J'avais pas vu qu'il y avait un autre trou. Tiens, bah tu vois, on va les combattre très facilement grâce à Barbara et Baal. Parce que les attaques de Barbara ne veulent pas rater leur cible. Pour ça que c'est trop bien. Trop bien les mages pour ça, tu peux pas rater ta cible. Et franchement, en fait, d'avoir perdu Fischl et l'archer, ça m'a pas du tout impacté en fait. Juste ouais, pour certaines quêtes, on va dire, de temps en temps, mais sans plus, quoi.
Donc j'ai pris ça. Là, en haut à gauche, là on a un coffre par là normalement. Je sais pas si je l'ai déjà pris. Il y a. Du coup, il m'en reste plus qu'un maintenant. Après, on va choper toutes les amulettes et on aura fait ça, putain, en 30 minutes quand même. Mais en vrai, ça va, c'est rapide. Franchement, 30 minutes, c'est la première fois à l'IUE. Vu que j'ai fait à la mano et par moi-même, on va dire, j'ai mis vraiment beaucoup de temps. Mais même à mon stat, j'avais la soluce, mais juste, j'ai mal retenu quel coffre j'avais déjà fait, tu vois. Ma stratégie de recherche était très mauvaise. Je sais pas si je suis allé trop loin. Normalement, il est là. Je pense qu'il est là. Je pense à l'avoir trouvé. Donc ça doit être vraiment le seul coffre en hauteur. Hein. Et ouais. Et on va vérifier est-ce que j'ai bien 100% des coffres. Normalement, on est à 40% actuellement. 45 même? Ah, parce que j'ai chopé une amulette. Attends, une amulette m'a donné 5%? Ah ouais, il n'y en a vraiment que 20. Ah bah non, attends, 20 fois 5, même pas? Non, il n'y en a même pas 20, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah si, il y en a vraiment 20. Mais attends, mais 20 fois 5. Et les calculs sont pas bons. Ah oui, même là, ça donne 80 000, tu vois. Et si on cumule tout, ça, on sait toujours pas ce que c'est. C'est toujours pas ce que c'est tout ça. Bon bref. Ah bah en vrai, heureusement que j'ai pris la. Heureusement que j'ai pris l'amulette du pont. Parce qu'elle est vraiment très isolée des autres. Bah on va faire le même chemin qu'avant du coup. On va commencer en bas à gauche et on va aller on va tout faire. Allez, déjà on va commencer ici, on en a 3 à récolter. L'avantage des amulettes après, c'est que on les voit sur la map. Voilà, par exemple, on voit qu'il y en a une là. Au moins les amulettes, tu vois, si t'en as loupé, elles sont simples à trouver. Juste tu refais le chemin et tu prends celle que t'as pas prise. Genre si tu vois que t'en as pas prise une, c'est bon quoi. Alors que les coffres, tu sais, tu peux ne pas savoir, tu sais même pas si tu les as pris vu qu'ils sont cachés. Mais les amulettes, ça va être très rapide parce qu'il n'y a aucune recherche à faire. On sait où elles sont. Non, ça va être rapide. Je pense que les amulettes, j'en aurai pour un quart d'heure à peine. Mais du coup, je pensais pas être aussi rapide sur cette quête. Donc, après, on fera les dialogues, on va dire. On fera tout ce qui est dialogue pour finir vraiment à fond l'anniversaire. Voilà, au final, pour donner mon avis, franchement, au niveau des dialogues par rapport à Xingling, Goba, son histoire et tout, cinématique toujours incroyable. Les cinématiques, franchement, elles sont. C'est un truc vraiment trop, 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 trop bien avec eux. Avec Genshin, c'est les cinématiques, elles sont incroyables. Mais juste, le truc, c'est que pour Xingling, franchement, ça aurait dû être une quête d'histoire. Où tu vois, ouais, un peu tout le monde, tu vois, mais franchement, c'est le seul truc qui me fait chier avec ça, c'est que c'est pas une quête d'anniversaire, c'est juste une quête d'histoire, ça. Au moins, c'est bien, on a vu des persos qu'on n'avait jamais vus, on a vu Xinyan, on a vu Chongyun. On n'avait jamais vu, hein, c'était la première fois que je les voyais. Vu que la quête d'histoire de Chongyun, flemme, quoi. Et Xinyan, bon, elle a rien, de toute façon. Elle a que son design, mais elle est pas du tout forte, elle a rien pour elle, si. Même son ult et son E sont pas incroyables.
ils sont normaux en soi. Juste elle peut donner du shield, mais pour des persos Claymore, beaucoup de persos Claymore peuvent donner du shield. Sauf là, mais là, vu ses DPS, on va lui pardonner. Hein. Ah merde, s'il est là. Ah, c'est bien. L'event était bien, mais pas pour un truc d'anniversaire, je trouve. Tiens, on va donner notre avis après. Même maintenant, comme ça, c'est fait. Par contre, où est l'amulette? Ouais, elle doit être tout en haut. Eh, d'ailleurs, attends. Événement spécial. Mais oui, il y a ça, il y a le truc d'anniversaire que j'ai toujours pas fait, là, du théâtre. On va le faire, comme ça, c'est fait. Je l'ai jamais fait, ça va être l'occasion. Attends, j'ai pas déjà une scène avec... la capture de d'internet. Ouais, c'est bon. Hop. Ça, je l'ai jamais fait. Je vais couper le son de Genshin au passage. Oui, maintenant vous voyez votre jeu sans défaite depuis le 1er octobre. C'est parti, vous vivez votre aventure depuis 359 jours. Je baisse la musique. Ah, c'est parti. Vous avez obtenu le pouvoir Anemo le 2 et les avez utilisés selon les indications de Paimon pour vaincre les ennemis. Au cours de votre jeu, vous avez vaincu 7900 Brutocolinus, c'est bon parfois. Trois objets précieux sur eux, masque flèche. Évidemment, depuis que se sont dressés, vous avez croisé et vaincu 4300 blobs. Ouais. Je trouve ça cool ce truc là. Wesh les trucs. Vous avez transformé un total de 33 pigeons. De plus, vous avez cuisiné 310 poulets marinés en fleurs sucrantes. Aux fleurs sucrantes, ok. Ok, les pigeons, vous en avez chassé 3. Votre amitié avec Timmy est compromise. Mais Timmy est un personnage vraiment connu hein, de Genshin, en vrai. Vous avez ouvert 313 coffres à Mondstadt, ce qui est pas énorme. Bennett, Razor, Catherine, Fischl, hein, on va voir tout le monde un peu. Bennett qu'on n'a jamais vu bien sûr. Keia, Diona, pareil, je sais pas qui c'est. Le vin est fabriqué avec l'eau du Lexid, ça je sais. Mona derrière, là non, nous avons le trio incroyable avec eux là. Incroyablement de blabla, vous avez prouvé votre polyvalence. Niveau 8, ah oui mais ça j'ai mis du temps à l'avant. Là c'est le trio de plutôt deux dragons on va dire. Même si Cliff c'est pas le cas. L'épisode de One Piece fait débat sur Twitter. Ah bah je sais pas, je le verrai. Je le verrai ce soir. Là on a des randoms avec Venti. Sur les attributs de Yamato. Ah bon, on verra. On a monté la statue niveau 10. Et ouais, mais j'ai mis du temps à faire ça. Gnagnagna, vous avez balayé les feuilles mortes pour le bear 2 fois. Victor également essaie de vous persuader de rejoindre des fatuis 1 fois. Rosalia Barbara. Ah là, si seulement Rosalia n'était pas dans la bannière de Kokomi, j'aurais tenté de la voir, mais là, pas intéressante. Vous êtes quelqu'un qui n'est jamais resté très longtemps sur place. Alors votre prochaine étape, archipel de la pomme dorée. Mon dragon, Liyue. Je dirais plutôt deux dragons parce que Liyue j'ai pas fait grand chose là-bas. L'archipel de la pomme dorée non. Donc j'irais plutôt deux dragons en vrai. Vous avez mis les pieds pour la première fois dans cette région blablabla. Vous avez inclus le roi sanglier. Ah ouais le roi sanglier qu'on a recombattu récemment d'ailleurs. C'est cool comme boss un peu caché, c'est un peu comme les boss qu'on peut rencontrer sauvages, je trouve ça vraiment bien. Ah donc au final on fait quand même Liyue. Avec le petit tarta.
Attends, quoi? Au cours de vos aventures, vous avez accumulé un total de 42 millions et demi de mora. Je me demande combien vous avez dépensé pour nourrir Paimon. Je sais pas, vers le sud, vers l'ouest, je dirais plutôt le sud quand même. Vers l'ouest, y a pas grand chose d'intéressant. Hein. Le petit Seiyu de Kirito. Peu importe où ils viennent, les gens peuvent profiter du festival des lanternes. Voilà. On sent que vous n'avez fabriqué aucune. Eh oui. Eh oui, parce que j'étais pas là pour l'event. Ça. Xinyan. Notre petit zongli. L'unique roqueuse, hein, bien sûr. Les adeptes, hein, bien sûr. Et 605 coffres à l'IUE, ouais, c'est deux fois plus. Hein. Mais en même temps, l'IUE est beaucoup plus rempli. Tu sens dans le jeu, vu que l'IUE c'est la Chine, ils ont mis les moyens comparé à Mondstadt. Petite Ningguang. Ningguang, c'est la Seiyu de Erza. Énorme. Changyun, Xingqiu, Xiangling, Goba. Yanfei. On va vraiment entrer dans la sérénité hier, mais on s'en fout de ça. On va à Inazuma ou pas? J'espère. Ah, ouais, pas grand chose d'intéressant, hein, c'est... Ah... Kazuya et Beidou, on est arrivé à Inazuma. Petite Sayu. Ah, on peut cliquer sur les... Ah, je savais pas qu'on pouvait interagir. En vrai, c'était logique. Au moment des premiers potes, je vous avais ouvert plus de 212 coffres. Vous avez monté la fleur de cerisier niveau 17, ouais. Et toute Mimi Sayu, en vrai. Je crois avec Kliss et les deux... Kliss est la meilleure enfant du jeu, clairement. Parmi les petits cons d'enfance, et... Elles sont vraiment cool. Mais Sayu, en vrai, est toute kawaii. Et elle est cool à jouer. Yuemiya, Kara Design, incroyable. Le 26 juillet. J'adore. Mais vraiment, Yuemiya, en vrai, j'aurais pu la prendre. Hein, mais... C'est vraiment pour ses performances que je l'ai pas prise. Quoi. Bon, Kokomi, vraiment, sans plus. Vous avez collecté 89 livres au cours de votre voyage. Pas beaucoup. Ayaka aussi, très très forte Ayaka. Et vu que j'ai déjà une DPS cryo. Thomas. Thomas qu'on essaiera d'avoir vu que ça va être Utao avec. Je pense qu'on va essayer de l'avoir. Hein. Évidemment Baal et Sarah. Sarah qui est malheureusement pas assez 6. Hein. 119 Electroculus. Putain. Il y en a vraiment beaucoup. En vrai, non, c'est pas tant que ça. Est-ce qu'on va voir Yaemiko? Ce jour, vous avez pesé la colère d'un dragon monté, assisté au rituel de l'association de l'IUE, entendu les ambitions du peuple d'Inazuma. Quelle sera votre prochaine destination? Que rencontrerez-vous? On a passé 189 jours sur le continent de Teyvat. Ouais bon, les spirales, hein, pas fou. Donc j'ai 21 personas. Kaya était le premier avec qui vous avez été. Ouais. Oh putain. Ah oui mais Kaya c'est mon main. J'ai tellement joué. Mais en fait Kaya depuis que je l'ai, je ne l'ai... littéralement jamais retiré de mon équipe. Pendant un temps c'était mon main DPS et là c'est un très bon support quoi. Un très bon support DPS.
Non, j'adore Kaya, franchement, c'est bon. C'est un très très bon. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas eu? Vous faites partie des 10% ayant chassé le plus de pigeons en Europe. Vraiment? Attends, j'en ai fait que 33. Partager le thème du théâtre pour... Partager le lien de cadeau. Mais je ne sais même pas comment on fait. Ah. Partager. Ouais, confirmé. Historique des cadeaux. Mais non, moi... Ah, voilà. Donc ça en a fait. Vous avez ouvert plus de 1000 coffres, assez facile. Est-ce que si je repartage... Non, j'ai rien. Attends, j'ai pas fait grand-chose dans ma vie. Après, là, de ce que je vois, en fait, c'est juste, voilà, j'ai joué, quoi. Vous avez pensé plus de, je sais pas combien de moras. Au cours de votre voyage, vous avez été victime de chute pour d'étranges raisons. Bah oui. Vous êtes connecté au jeu pour plus de 300 jours. Malheureusement, non. Parce que j'ai raté le jeu pendant un temps. La troisième salle du 12e étage, pas possible. Vous avez terminé toutes les escapades et débloqué toutes les fins. Ça, c'est un truc que je ferai. Vous avez obtenu tous les ouvrages. Non. Vous avez obtenu toutes les spécialités. Pareil, trop compliqué. Vous avez bloqué tous les points de téléportation, mais nous ne jouons pas encore. Ça va être un niveau 10, trop long. Ouais, non. Ok. En vrai, c'est que des trucs faisables, hein, mais c'est parce que j'ai arrêté de jouer pendant un temps et... Et c'était... C'est mort. Bref. Continue, alors j'ai juste envoyé. Ah oui. Ah, mais Zampa, il vient de me partager le truc là pour rapport au figue de Yamato, d'accord, je comprends. Mais en vrai c'est... Attends, je vais dire, en vrai, vu que c'est arrêt sur image, c'est... C'est beaucoup. Enfin, c'est... C'est normal. Car c'est animé. Normalement. Comme dans Naruto ou d'autres trucs en mode never pause Naruto. Mais ça me choque pas plus que ça. Pour du One Piece. Sont dans One Piece en même temps, est-ce que t'as une seule meuf plate, genre? Enfin bref, je regarderai ça tout à l'heure. Hein. Bon, continuons notre petite quête. On va remettre le son du jeu. Ça peut être bien. Je vais remonter le son à fond. Message. Ah oui, nous avons un peu de stonk. C'est pas grand-chose, mais 60, c'est bien. D'ailleurs, on va faire de... On va ouvrir des vœux aussi après. D'abord, je veux récolter cette. Le truc qu'on va récolter là. Et après, on va récolter pour les vœux. D'ailleurs, je vais mettre la luminosité de mon ordi plus haut. Ah. Là, on est bien. Là, j'aime ce que je vois. Ouais, l'emblème était bien ici. Allez, on va faire les vœux maintenant. J'aurais dû les faire avec Flibay tout à l'heure. Là, j'en ai énormément en stock. Donc c'est cool avec mes primogèmes qui arrivent. Là j'ai de quoi en faire 40 peut-être. Ouais, je peux en faire 40. 45. Je peux en faire 46. 47. Je peux en faire 46. Actuellement, je peux faire 46 plus 25 vœux, sachant que j'ai une pitié à 30. Donc c'est pas trop mal. Et en vrai, ici, ma pitié est tellement élevée qu'on aura peut-être enfin notre 5 étoiles.
Notre truc 5 étoiles. Est-ce qu'on aura une deuxième Jean? Est-ce qu'on aura une deuxième Kiki? Est-ce qu'on aura un nouveau perso 5 étoiles? Est-ce qu'on aura une arme 5 étoiles? Si le cas, plutôt l'arc. Arc ou lance. Ouais, donc si on fait 6 x 11 plus 5, on est sur une pitié à 71. Donc là, on va monter à 77. Et là, tu sais, j'ai un truc légendaire maintenant. Dommage. Bon, évidemment, on skip, hein, on s'en fout hein, si on n'a pas le truc légendaire. Mais est-ce que je vais vraiment atteindre les 90? En vrai, c'est tellement probable. C'est quand la dernière fois que j'ai eu un truc violet? Ah ouais, Ningguang. Ah oui, donc là, le truc violet, je suis pas du tout obligé d'en avoir un. Non. Enfin, c'est fou quand même. Heureusement que ça m'arrive sur les... cette bannière là. Hein. Ah, un truc violet. Un perso que j'ai pas, s'il vous plaît. Bennett. Ah oh, putain, Lisa. Putain, et j'adore son. J'adore l'art. Mais j'aurais préféré Kaya quand même. Quitte à avoir un perso de départ. Arc fulminant confère les effets suivants tant qu'il reste actif. Une défense augmentée de 25% augmente la résistance à l'interruption de Lisa. C'est pas... C'est pas incroyable. Hein. C'est quoi ça? Arc fulminant, c'est son ult en plus, non? Ah non, c'est son E. Ah, pff, ouais, c'est pas ouf quand même. Oh, bien le bonjour, monsieur le streamer. Bien le bonjour à vous, monsieur futur ingénieur. Ouais, Lisa, Lisa, je l'aime bien pourtant. Elle a quoi, là? Vraie capturation, elle met le lien. Rose de foudre réduit la défense des ennemis lorsqu'elle touche. Attaque chargée inflige l'effet conductivité. C'est pas ouf. Ah là, et oui, je viens d'avoir le Lisa. C'est bien. Mais du coup, ma pitié actuelle sur mes vœux permanents, là, je suis à 77 sur 90. Je suis assez deg, je t'avoue. Je sais pas si j'ai de quoi en avoir là dans la boutique. Bon, évidemment, il y a là, mais non. Là, faut que j'économise en vrai pour m'acheter un perso 4 étoiles au cas où. Faut vraiment que j'économise. Et ça, faut que j'arrête de les utiliser dans les pierres de la fatalité. Ça ne sert à rien. Faut que j'économise pour m'acheter des persos au cas où. Parce que des persos 4 étoiles. Les persos 4 étoiles, tu peux les avoir tout le temps. Mais j'ai que des personnages anciens. Genre, j'ai du Kaya, j'ai du Lisa, j'ai du Ember. Mais j'ai jamais des persos que j'ai pas. quand j'en ai. Tu vois, genre, j'aimerais bien avoir Rosalia, Chongyun, Bet. Bah en fait il manque peu de gens. en fait j'ai quasiment tous les 4 étoiles, je viens de me rendre compte. Mais voilà, on va dire, j'ai pas des putains d'importants. Chongyun, on s'en fout, mais Bennett, bon il le faut ces 5. Il le faut ces 5, mais Bennett, tu vois, j'en ai même pas un. Et Rosalia non plus. Après Rosalia, quand elle est sortie, je faisais aucun pull. Et à chaque fois qu'elle revient, je ne pull pas. Donc Rosalia, c'est normal que je l'ai pas. Mais Bennett et Chongyun, ça me fait un peu chier quand même. J'ai eu Jin à 85. Moi vraiment, j'espère que je vais avoir une... Si j'ai pas un... Si j'ai un 5 étoiles, je veux pas de Jin si possible. J'aimerais bien Mona, Keking. Ou peut-être Diluc, je sais pas, mais je préférerais avoir Mona ou Keking. Après, il y a qui en 5... Il y a qui parmi les 5 étoiles de base déjà? Ah bah c'est ce quintuplé. Ouais, en vrai, juste je veux un perso que j'ai pas. Mais je pense que Mona peut être très cool avec une team genre Tarta, comment elle s'appelle? Le nom me vient pas en tête. Tarta, Xiangling, Baal. Et ouais, peut-être un healer à côté, je sais pas. Keking, juste en termes de DPS, je la trouve cool. Diluc, ben, je sais pas, mais voilà. Kiki, nique ta mère, vraiment, si je l'ai, je vais m'énerver. Jin, en vrai, ça me va, tu vois, si je l'ai assez une, mais ça me ferait un peu chier d'avoir attendu un an avant de l'avoir et d'en avoir une deuxième si vite, tu vois. Et si j'ai des armes, il me faudrait la lance ou l'arc.
L'arc que je mettrais sur Tarta et la lance que je mettrais sur Xiangling. Sinon, si j'ai genre une épée, on sait rien. Pareil, d'avoir un bouquin, ça me ferait chier, mais je le mettrais sur Sucrose, je pense. Et si j'ai une épée, bah Jhin direct. Hein. En vrai, tout me va. Hein. En vrai, au niveau des armes, tout me va. Moi, je pense que dans la team, je pense que je ferais une team Ball, Tarta, Xiangling et Jhin. Je pense que c'est bien ça. Attends, où sont les... Oh, attends, on va regarder niveau personnage d'armes comme ça. Ah mais non, faut que je prenne une épée élevée. Non! Oh, je veux voir... En fait, je sais même pas il y a quoi comme type d'arme dans le jeu. C'est juste ça que je veux regarder. Alors, on a les claymores. Alors ouais, voilà. Le seul truc que je ne veux pas, c'est une épée à deux mains. Mais sinon, d'avoir un... Genre là, ouais. L'arc 5 étoiles, je le prends. L'épée à une main, je la prends. La lance, je la prends. Le bouquin, je le prends, mais... Vraiment, je dirais la priorité, c'est l'arc, puis la lance, puis l'épée à une main, puis le livre, puis l'épée à deux mains. Mais vraiment, si je pouvais avoir l'arc ou la lance, ça serait parfait. Après, le bouquin, ouais, je le mettrais sur Sucrose, tu vois, mais ça me ferait un peu cher parce que Sucrose, je ne pense pas la jouer. Jhin a beaucoup plus de chances d'être joué que Sucrose pour moi dans l'une de mes équipes. Attends, aile de la voûte d'azur, Atlas, berge. Attends, l'épée du faucon, c'est une arme 5 étoiles. Après, on peut avoir la mort du loup. Ah, j'avais oublié ça, mais je savais pas qu'il y avait d'autres armes. Après, là, je vois, mais il y a des trucs très très bons aussi. Il hein. y a la mort du loup, je sais que c'est une très très bonne arme 2 étoiles. 5 étoiles, pardon. À deux mains, puisque je voulais dire. La lance de jade, excellente parce que taux de crit. Ouais, c'est ça. Soit il me faut l'arc, l'épée à une main ou la lance si c'est de la truc de la voûte d'azur. Sinon, il me faut la mort du loup ou la lance de jade. L'épée du faucon, je sais pas. Et après, en perso, bah, pas kiki, quoi. Enfin, comme la dernière fois, en fait, si j'ai un perso 5 étoiles, pas kiki. C'est tout ce que je demande, pas kiki. Donc, concrètement, pour avoir un truc qui me plaît, même l'arc d'Amos, je crois qu'il est bien. On va regarder son effet. Je crois que l'arc d'Amos aussi est cool. Augmente les dégâts infligés par les attaques normales et tirs visés de 12%. Les dégâts des flèches augmentent de 8%. Ah ouais, non, ça c'est un arc qui est bien, mais que sur Venti, je crois. Mais c'est pas un arc ouf. Ouais, donc non. Donc pas Kiki, pas l'arc d'Amos. L'origine des quatre vents, j'en ai déjà un, je crois, donc... m'intéresse pas plus que ça. Pas ça, pas ça, on va dire. Ouais, en vrai, j'ai genre 80% de chance d'avoir un truc que je veux au moins, tu vois. Donc j'espère que j'aurai un peu de chance. On va regarder la constellation 1 de Kiki de Jhin. Parce qu'en plus je crois que les constellations de Kiki sont nulles quoi. Ouais voilà, on s'en bat les couilles. Ça marche avec son ult, mais son ult j'utilise jamais. La vitesse d'attraction et dégâts infligés par l'épée tourbillon augmente de 40% lorsque la compétence reste attaquée plus d'une seconde. Ça en vrai, ça va. Vu que c'est un truc d'attraction. Épée de tourbillon, c'est son E? Ouais, c'est ça. Ah, donc son E, t'as un intérêt à le garder appuyé, du coup. Après, les Z constellations, honnêtement, ne servent pas. Ouais, à la limite, son ult, mais c'est tout, quoi. Je trouve vraiment les constellations de Jhin nulles par contre.
En fait, il y a que la première qui est... qui peut être bien, mais... mais c'est tout. Non, les constellations... Oh non, en fait, je veux pas de djinn. Juste constellation 1, mais je veux pas plus, tu vois. Mais ça me ferait chier de l'avoir, la djinn. Et Kiki... Ouais, ça... En vrai, ça, c'est bien, mais sans plus. Ouais, c'est juste la C6 avec l'ult qui est trop bien, mais c'est tout quoi. C'est tout, mais vraiment. Ah ouais, les constellations des personnages. On va dire des 5 étoiles de base, sont nuls. Hein. Très très nuls, je trouve, les constellations. Enfin bref, je vais me moucher un coup. Bon, sinon, Léo, est-ce que t'es prêt pour ce soir? Bien évidemment que oui. Bon, on a tout pris ici, hein. Donc là, on en a 4 à prendre. On en a une par là. Là, on en a une en bas. Bon, j'avais dit que ça me prendrait un quart d'heure, mais vu que je faisais autre chose, ça prendra un peu plus de temps au final. Est-ce que je vais me noyer? Non. Au pire, je me... ouais, j'ai pas envie d'utiliser des primogèmes en vrai. Ça ferait vraiment chier d'utiliser des primogèmes pour ça. Alors je trouve ça assez triste d'en mettre deux si proches. Et l'autre, j'imagine qu'elle est au milieu du lac. Ah bah oui, elle est dans l'eau, oui, on l'avait vu. Ouais, en vrai, on va continuer à la nage. Hein. On va aller là-bas. Merde. On va aller là-bas, on en a deux. Prendre d'abord celle-ci. En vrai, le groupe là qu'on a trouvé avec la dernière fois, ils ont l'air chaud. Hein. Attends, ouais. Parce que là, il y en a un qui a pu monter master. Il a recruté des gens dans notre groupe. Eh, on va créer un vrai petit serveur après. Hein. On va créer la commu FR Pokémon Unite, tu verras. Ça va être incroyable. Et on ira tous sur mon serveur communautaire. Stonk. Ah non, mais là, c'est... ah. Ma soundboard ne marche pas. Pourquoi? Pourquoi mes sons ne marchent pas? Ah, stonk. Le jeu ne voulait pas. Allez, on va aller là. Ouf. Ouais, c'est vrai, là, il y a deux sorciers. Merde. Aïe. Alors, j'en ai une par là, on va la prendre. Eh hey, d'ailleurs, tu m'avais parlé d'Uramichi Onisan. J'ai vu le premier épisode. Franchement, c'est vraiment un animé à voir quand t'es en dépression, tu vois. Et voir que t'es pas le seul. Enfin, j'ai juste vu le premier épisode, j'ai pas encore continué. Pour l'instant, de ce que j'ai vu sur le premier épisode, je sais pas si je vais vraiment apprécier. Mais bon, au moins, ce qui est bien, c'est que c'est le... notre grand doubleur à tous. Le meilleur doubleur masculin qui existe. L'un des meilleurs, du moins. C'est très drôle à regarder en groupe. Ah, en groupe.
Ouais, moi je suis tout seul, j'ai pas d'amis, tu sais. Donc c'est assez compliqué. Mais pourquoi pas, hein. On verra bien, j'ai juste vu un épisode. Je suis clairement le genre de personne. J'aime pas me baser sur rien, mais pour l'instant, de ce que j'ai vu, premier épisode, ça m'a pas super bien vendu le truc. Enfin, ça me donne clairement une idée. D'ailleurs, parmi les mecs qui ont un costume là d'animaux, il y a le doubleur de Gintoki, donc forcément, c'est. Là on a des gros mecs quand même, tu vois. Mais ouais, je sais pas, le premier épisode n'a pas trop bien vendu la chose. Alors que les animés là de cette saison, il y en a, je trouve qu'ils vendent, ils se vendent tellement bien avec le premier épisode. Enfin, pas beaucoup, mais voilà, quand même. Genre, Komi-san, Ken Communicate, je trouve que le premier épisode vend tellement bien l'animé. Je trouve en premier épisode, c'est rare que j'ai vu un animé dont le premier épisode est parfait, genre vraiment rien à redire. Ah bah c'est ça, c'est hyper populaire. Ouais, mais quand même, genre je trouve vraiment que ce premier épisode est, je sais pas comment ça va se passer derrière, tu vois, mais je trouve vraiment que ce premier épisode est une masterclass pour débuter ton truc. Je trouve que c'est un début parfait. Vraiment. Après, il y a Miruko-chan, que l'animé où j'en attendais pas mal, et je trouve que le premier épisode était vraiment très bon aussi. Je l'ai vraiment bien kiffé, j'ai comparé par rapport au manga, et l'animé ont beaucoup plus. L'animé sera bien meilleur que le manga, je pense. Parce qu'il développe beaucoup plus et tout, le début est beaucoup plus long, mais au moins ça t'amène vraiment plus le truc. J'avais trouvé ça vraiment bien. Pareil, il a un isekai avec le meilleur assassin du monde, genre. Et pareil, ce premier épisode-là, j'avais trouvé vraiment pas mal. Enfin, comment ils ont amené la transportation, on va dire, du mec dans l'IC, enfin, dans l'autre monde, j'ai trouvé vraiment intéressant. C'était cool, j'étais plutôt surpris. Agréablement surpris. Après, je sais pas, j'ai pas vu d'autres choses. J'ai rien vu. Oh putain, Kimetsu no Yaiba, ça a commencé là? L'anime qui réadapte le film, en fait. Il est mal noté sur My Name List. Il est qu'à 7,60. C'est étonnant. Bref, attends, je regarde quoi en ce moment? Enfin, qu'est-ce que j'ai commencé? J'ai commencé la saison 2 d'86 de Mushoku Tensei, Komi-san, Miruko-chan. Platinum End. Sans. Je m'attendais à pas grand chose, ça va pour l'instant, je trouve, honnêtement. Et ouais, du coup, le truc de l'assassin, et oui, si tu me demandes si ça a été adapté, oui, bah là, c'est en train d'être adapté. Et franchement, pour l'instant, ça a pas l'air dégueu. J'accroche plutôt bien. Est-ce que je l'ai récupéré, celui-là? Je crois que je l'ai pris, j'ai un gros doute. L'animation de Platinum est bizarre. Ouais, c'est. Je sais plus c'est quel studio qui s'en occupe. Mais je suis d'accord que l'animation, par contre, elle a. Je l'avais vu avec les trailers, mais ça a pas l'air ouf, quoi. Signal MD. Inconnu au bataillon, ce studio. Ils ont fait Netjun no Susume, je ne sais pas ce que c'est. FLCL Progressive, ce nom. Enfin, FLCL, on va dire, je connais de nom. Ah, attends, c'est le studio derrière Yuragi. Avec l'animé avec Yuna, là. Non, c'est même pas ce studio. Parce qu'ils ont fait un OVA, mais ils ont pas fait l'animé. Ouais, c'est un animé vraiment inconnu au bataillon. Un animé, un studio. Non, pareil, je vois tout ce qu'ils ont fait là. T'as de temps en temps des noms connus, genre là t'as un truc Fate, mais qui était mal noté. C'est quoi Neju no Susume? Est-ce que je l'ai mis en plan to watch? Ah si, je vois c'est quoi, d'accord. Ouais, c'est tout quoi.
L'animation de Platinum est bizarre. Yoragiso. Il y a juste le truc Yoragi là avec Yuna, que j'aime pas Yuna d'ailleurs. Ils ont fait un OVA et c'est tout. Mais c'est pas eux qui ont fait l'animé. Donc ouais, non, animé, studio vraiment inconnu au bataillon, je trouve. Alors que t'as des studios inconnus au bataillon qui ont fait vraiment des dingueries, quoi. Genre, attends, je sais plus, c'est l'animé de Majo no Tabitabi qui a fait le... Qui a fait, comment ça s'appelle? Tsukimichi, si je me souviens bien. C2C. Majo no Tabitabi, et ouais, Tsukimichi. Qui est Isekai que j'ai vraiment trouvé très cool, et même sur myanimelist.net, la note elle a bien monté. Et pour un Isekai assez. Enfin, avec un perso super cheaté et tout, genre, je trouve que 7,75 c'est une bonne note, tu vois, pour un Isekai de ce type-là. Et pourtant, c'est pas hyper connu quand tu regardes, genre Overlord. Overlord, c'est pas ouf, tu vois. Genre, enfin, moi j'aime pas trop Overlord. Mais franchement, quand tu compares Tsukimichi, se met vraiment bien, quoi. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Genre, parmi les. T'as le perso principal, et t'as les deux meufs principales également. Tomoe, la dragonne, hein, bien sûr. Et Mio, l'araignée. Mais bon. C'est évidemment un peu pour ça qu'on regarde, hein, tu vois. Genre, moi j'avais vu la dragonne sous forme humaine, j'étais en mode, mais mec, tu es incroyable. Je vais te regarder en fait. Et même l'animé est vraiment cool et. Je sais pas, ça fait plaisir de voir des bons isekai. Et de ce que j'ai vu sur internet, normalement, il y a beaucoup de matière un peu comme moi réincarné en slime. Parce que je crois que ça a commencé plus ou moins en même temps, mais ça a vérifié. Ce que je vais faire d'ailleurs, parce que. Tsukimichi. En plus, l'opening, c'est bon. Je savais pas quoi mettre. Mon top 4 opening de l'été, je ne savais pas quoi faire, mais c'est bon. Je me suis décidé. En quatrième, je mets l'opening 4, je mets l'opening 9 de Boruto. En troisième, je mettrai l'opening de Heiyun Sedai no Hidaten Tachi. En deuxième, je mettrai l'opening 2 de. Enfin, l'opening de la saison 2 de Kobayashi. Et en premier, je mettrai l'opening de Tsukimichi, quoi, clairement. En plus, la saison 2 a été annoncée. Epic. Alors, le light novel a commencé en 2013. Et le light novel de moi réincarné en slime a commencé en 2014. Donc en fait, le concept de créer une ville avec des monstres, c'est Tsukimichi qui l'aurait fait en premier du coup. Bah énorme. Si ça se trouve, ils ont juste eu la même idée en même temps. Les Empa qui espèrent une dinguerie pour sa reprise de One Piece épisode 1000. Je l'ai avec souvenir, je l'ai lu il y a longtemps. Bah ça m'étonne pas vu que, ouais, 2013 quoi. Mais je trouve l'animé en vaut vraiment la peine. Alors, la meuf araignée, je sais pas c'est quoi sa doubleuse. Mais la dragonne, sa doubleuse, c'est celle qui a fait Yotsuba Nakano. Et en fait, elle a fait 20 millions de personnages, elle. Elle a fait aussi Ura Ochako, je sais plus c'est quoi son nom de famille, mais elle a fait Ochako de MHA. Elle a fait Yotsuba, donc la quatrième sœur, hein, bien évidemment. De Gotobun. Elle a fait Yaemiko dans Genshin là. Donc franchement c'est vraiment une grosse doubleuse et elle a fait vraiment énormément de monde. C'est très cool franchement et juste grâce à sa doubleuse en fait j'apprécie plus Yotsuba. Juste grâce à tout ce que sa doubleuse a. Tout ce que la seiyuu a pu faire. Par contre, là, je suis en train de me demander, est-ce que j'en ai pris 4? Parce que là, normalement, sur le chemin, il y en a 4. Bon, au pire, s'il m'en manque un, je sais que c'est ici. Parce que là-bas, là, il y en a 2. Ouais, il y a un ami qui est en collab entre Madhouse et MAPPA. Ouais, c'est... Je crois que ça commence par Tact.
contact OP Destiny. J'ai pas encore vu le premier épisode, mais oui. Oui, il y a... Cet animé existe. Mais je peux pas commencer encore, mais je me le ferai. L'opening n'est pas mauvais, mais je trouve pas incroyable non plus. Mais attends, mais où est le... J'imagine que fallait que j'aille au-dessus. Tu as encore le lien de ta tier list waifu? Oui. Mais elle est pas à jour. Mais elle est pas à jour. Donc pas de Yamato. En vrai, ma tier list waifu, va falloir que je la recommence. Mais ça, c'est un truc, ça me prendra du temps. Mais genre que je retire plein de persos, parce que franchement il y en a plein qu'il faut que je retire. Genre vraiment les gros persos random, à part ceux en F tu vois, mais il y a plein de persos en D random que faudrait que je retire. Parce que vraiment ils s'en foutent quoi. Ils ont rien à faire dans la tier list en vrai. Ok merci, je vais en faire une nouvelle. C'est un malade. Mais je sens en pas, il va mettre très très haut Yamato. Mais même moi, Yamato dans One Piece, dès que j'ai vu son design, mais toi, tu iras minimum en B déjà. toi, je ne peux pas te mettre en dessous de B. Et clairement, en fonction de comment elle sera, Yamato, et de ce qui se passera, même si je sais qu'il se passe des bons trucs. Yamato est pour moi de base en A là. Pour l'update de la tier list. Mais est-ce qu'elle mérite le S à ça? Ça, on verra. Est-ce que ça va être un énorme coup de cœur sur le personnage, comme j'ai pu avoir récemment sur Vivi, de Vivi Fiori Taisong, bien sûr, que je mettrai pas en S, mais que je mettrai très haut en A. Ça, on le verra. Par contre, je n'arrive pas du tout à trouver la prochaine, là. Que je crois elle est censée être en hauteur. Ah c'est bon, je la vois sur ma map. Ouais Yamato, excellent chara design, vraiment. Ouais les meufs dans One Piece elles se ressemblent toutes, mais je trouve que Yamato se distingue vraiment. Alors, en fait c'est le mode Japon, c'est comme dans Genshin. Hein. Le Japon se distingue tellement, je trouve joliment avec style quoi. Comparé à Liyue par exemple, tu vois. Vraiment j'aime pas trop la Chine on va dire, vestimentairement et tout. Je préfère large le Japon. Vestimentairement, culturellement, culturellement, je sais pas si ce mot existe. Mais au niveau de la culture et tout, je préfère large le Japon à la Chine. Les animés bien sûr, mais même. Ça tellement mieux. Mais attends, mais je crois que j'ai 100% là. Non, il m'en manque. Il m'en manque une seule. Il m'en manque une seule. Donc je sais que c'est dans la zone où je suis. Mais c'est laquelle ? Attends, là il y en a une, je sais pas si je l'ai prise. Attends, on va aller vers le... Oh putain, mais par contre j'ai perdu de la vie là. Ouais vas-y, on va descendre. On va aller vers là-bas. Parce que j'en ai peut-être loupé une. En vrai, le froid retire pas tant de vie que ça, mais juste... Ça peut très vite être gênant, quoi. Alors, où est-ce qu'il faut que j'aille? Normalement, c'est vraiment devant moi, là. Ou je sais pas si je l'ai prise. Ouais, non, là, je la verrai, normalement. Ah bah oui, elle était ici. Celle qui est là-bas, normalement, je l'ai prise aussi. Ah
pas laquelle j'ai pu louper. Est-ce que ces deux-là, je les ai prises? Ça, j'ai pris. On va reprendre le TP. Je vois pas laquelle j'ai loupé là, par contre. Et bah voilà. C'est la seule où j'étais pas sûr de l'avoir prise, donc c'est bon. Attends. Elle est où? Elle est au-dessus? Oh putain, elle est au-dessus. Mais attends, je l'avais pas prise hein. J'étais persuadé d'avoir prise. Mais non, elle est pas là. Je comprends pas. Je comprends pas où elle est. Attends, elle était genre au-dessus de moi. Je comprends pas. Je sais pas où elle est. Au moins ça va, ça aurait été rapide, hein. Plus rapide que l'IUE. Elle est peut-être dans le sol. Je sais pas, je me dis c'est possible ça aussi. On verra bien. Combien de temps que je stream? Ça fait 2 heures. 2 heures c'est court en vrai. On va chercher des choses à faire. Mais je ne comprends pas où elle est. Non, elle doit vraiment être dans la montagne. Parce qu'elle est pas là. Oh putain! Mais oui, c'est vrai qu'il y a la grotte en dessous, là, celle-là, je l'oublie tout le temps. D'ailleurs, je peux pas récolter des choses, hein. Ouais, voilà, genre... Non, il y en a pas d'autres dedans, je crois. Ok, et bah let's go, on a fini. Bon, on sait toujours pas à quoi ça sert la fièvre festive, mais au moins on a fini. Donc c'est cool, on va pouvoir monter l'arme raffinement 5. C'est sur Beidou actuellement d'ailleurs. Ah mais Beidou sa force actuelle, mais non c'est même pas sa maîtrise élémentaire. Mais attends, mais qu'est-ce qu'elle augmente l'arme? Elle augmente l'attaque. Ah oui, donc elle a vraiment 0 d'attaque. Elle a vraiment une très très mauvaise attaque cette arme. Oh. N'empêche, cette arme, j'aimerais bien la voir en combat un peu. Ce qui augmente les dégâts des déchaînements élémentaires, en vrai, tu mets ça sur là. Stonk, hein. On va voir un peu. Bon, après l'attaque, voilà, on passe de 565 avec un bonus de 34% là, à ça. Après, le bonus d'attaque est beaucoup plus violent, mais... Attends, mais comment on invoque le poisson déjà ? Ah, c'est du déchaînement. Je veux voir le poisson. Ouais, vas-y, on va faire... Non, pas lui. Non, on va aller faire... On va faire cet arbre-là. Putain, ça fait tellement longtemps que j'ai fait des boss. Oh. Avant, j'utilisais tout le temps ma résine contre des boss. Maintenant, je fais H24 des donjons, quoi. Bon, faut que je m'attende quand même à faire vraiment beaucoup moins de dégâts vu que Eula perd beaucoup en attaque là.
Ouais, on a vraiment perdu pas mal. Je sais pas si j'ai la mort du loup si je la lui donne. Parce qu'en vrai, augmenter le taux de crit sur elle... Bon, évidemment, on va beaucoup perdre en attaque, mais à côté, je crois qu'on passe... On passe... Ouais, bah ouais, avec la mort du loup, je passerai à 100% de taux de critique. Donc à la limite, est-ce que j'essaierai pas d'investir dans un artefact qui augmente les dégâts crit ? Ça pourrait être bien. Alors j'aimerais bien, voilà, l'ulti de Kaya, mais déjà on va péter ça et on va voir les dégâts. Ok. Paf. 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 Alors, où est le poisson ? Où est le poisson? Ouais bon allez hop. On skip. J'ai pas vu de poisson, je suis très déçu. J'ai pas vu mon ton hein, vraiment. Je sais pas si tu l'as vu Léo, mais moi non. Allez on repasse à celle-là, tant pis. De toute façon c'est l'épée de eux là, celle-là vraiment pour moi c'est l'épée officielle. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire, j'ai en 2 heures poisson. On a pas vu le poisson là. Ah mais si j'ai pas fini. Bah oui, il manque tout ça. Bah on va le faire mais on va essayer d'aller vite hein, ça me fait chier ce truc. Ouais on va faire des quêtes hein. Après je sais pas, je vais peut-être on va dire si j'ai encore envie de jouer jusqu'à 19h ou un truc comme ça, je continuerai. Enfin, je m'arrêterai dans ces niveaux-là. Mais je pense que j'irai voir mes animés après. Et je jouerai à Pokémon Unite ce soir, mais évidemment, vu que demain je commence tard, on va pouvoir vraiment jouer longtemps, quoi. Alors, blablabla, le cuiseur suprême. Non mais... S'il vous plaît, en fait. Y a pas un souci, là. Ouais, ça va être que du blabla. La dernière fois que j'avais du blabla comme ça, j'avais envie de dormir. Suivez l'odeur. Et trouvez les ingrédients. C'est un peu chiant, non? C'était rapide. Comment ça avec les pousses de bambou? Mais... Comment? Ouais bon, il me faut un archer. Ouais, obligé de prendre 2 TP. Hein. J'ai compris, je dois prendre 2 TP sinon je ne peux pas y aller. Attends, mais Sinistra, il a encore ajouté quelqu'un dans le groupe? Non mais... Mais mec, ça va être vraiment le groupe Pokémon Unite, c'est personne se connaît à part un mec qui connaît tout le monde et puis basta. Non mais en vrai, vraiment, depuis que je joue en multi, je veux trop jouer à Pokémon Unite tout le temps. C'est un truc de fou à quel point je veux jouer au jeu. Oula,
Oh, trop marrant. J'aime bien ce mini-jeu. Il est trop marrant. Oula, j'ai failli dépasser. Bon, après, c'est pas très intéressant parce que c'est vraiment trop long, je trouve, mais ça va, franchement. Petit mini-jeu qui change. C'est très long. Oh merde. Putain, je suis allé trop loin. Je regardais plus mon écran, je regardais le chat. Ah mais du coup ça a cassé mon truc et là sud gauche et sud droite ils sont quasiment au même level. Alors ce quoi? Ce tofu onkidium bien chaud. Par pitié, il n'y avait que ça à faire pour la quête. Ouais! Oui! Et du coup j'ai obtenu la recette. Oh putain, s'il faut la faire ici par contre. Du pudding de riz. Oh, heureusement que c'est rapide à faire ce truc, merci. Ah ouais, non, parce que vraiment du blabla interminable là, qu'est-ce que c'était embêtant. Je ne souhaitais qu'une chose, que cela s'arrête. Mais c'est bon, ça c'est rapide. Nous sommes heureux. Bon, vas-y, on garde Fischl au cas où que faille un archer. Ça m'étonnerait qu'on fasse beaucoup de combats. Donc on va tranquillement à Mondstadt avec elle. Appelons-le le pudding de riz. Et il n'y a littéralement zéro différence avec avant. Suivez l'odeur. Suivons l'odeur. Là, j'imagine c'est des brutocolinus. On va attendre un peu de se recharger. Let's go. Ah, le jeu, il est cool, il m'emmène haut. Bah, pff. Eh, j'avais aimé. Marrant, hein. Oh, du riz. Ah, super, on va... Le ballon de transport, et eh oui! Ah, mais quel bonheur la quête de transport! Hein. Attends, par contre, si on fait du transport, je veux pas jouer avec Fischl. Je veux jouer avec ma petite Shogun Raidon. Attends, s'il me drop des trucs, je croyais qu'il dropait pas, mais si. Bien sûr que moi je veux récolter les trucs. Ça one shot. Ça one. Mais. Comment? Je ne pensais pas que ça ferait du one shot. Après, ils sont level 75, mais quand même, c'est beaucoup.
trop marrant. Putain, trop marrant, on arrive en même temps qu'eux comme ça. Alors là, je kiffe cette idée de... C'est vrai que ça, c'est un truc qu'on n'a jamais vu encore. Des Brutocolinus qui transportent aussi hein, des marchandises comme ça. Ce serait marrant d'en voir qui se baladent, tu vois, comme ça. Ça pourrait être cool, ça ajouterait un peu de choses. Ah oh ouais, mais les dégâts qu'on leur fait, c'est énorme. Mais là, ce que je suis en train de faire, c'est vraiment pour ma quête ou pas du tout? Vas-y, pour voir les dégâts un peu. Ouais, 40 000. Non, ça va. Les dégâts seraient insane avec Bennett et Sarah, je pense, mais malheureusement, ma Sarah n'est pas C6, donc je sais pas si elle vaut la peine d'être jouée. Je pense que ouais, mais... C'est regrettable, quoi. Vraiment. 40% d'attaque, ça serait vraiment énorme, quoi. Mais j'aimerais bien que si Sarah ressort, que ce soit avec un perso qui m'intéresse un minimum, tu vois. Ou avec des persos secondaires qui m'intéressent. Genre Bennett, vraiment, ça serait trop bien qu'il fasse un truc genre Bennett, Sarah et Rosalia. Parce que c'est que des persos qui sont là juste pour booster les autres, tu sais. Ça serait trop marrant qu'il fasse un truc avec ça. Parce que c'est trois persos qui m'intéressent. Bon, Sarah beaucoup moins, mais il me faut la C6. Si Sarah ressort, je vais tenter de l'avoir, je pense. Sauf si c'est un rerun Kokomi, tu sais, vraiment là, ouais, je m'en battrai les couilles, mais. Mais bon, on verra. Allez, souffle nuage. Je vais t'apporter à manger. C'est pas trop du riz, ça. Je dirais un peu du blé. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, je suis prêt. Voilà, c'est comme avant. 1 minute 30. Ouais, c'est très long. Hein. Oula, attends. Ouais, moi, je voulais aller au milieu, pas comme ça. Après, ça, je pense qu'il serait intéressant avec ce mini-jeu, c'est si la gestion était mieux. Ah ouais, on peut se faire attaquer quand même. D'accord, il y a un minimum de difficulté quand même, ça se renouvelle. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas de la gestion dans le mode, dans le sens où tu les mets tous au même niveau. Les chaudrons, genre tous bas. Et faut que tu essayes de... Ouf. Et t'essayes juste de les stabiliser, enfin de les mettre à différents levels pour être bien. Genre, je pense qu'ils pourraient faire quelque chose de mieux, même si c'est bien, tu vois. Au moins ça change. Mais ça pourrait être vraiment mieux. Ah tu vois, par exemple, là je suis un peu dans la merde parce qu'ils sont tous assez élevés en termes de température. Et faut que je switch souvent. C'est bien, ça fait de nouveaux plats. Faudrait que je fasse de la chasse au succès un jour. Mais pour l'instant, j'ai tellement de choses à faire que... Je ne peux pas... Je n'ai pas trop le temps, quoi. Du peu, on va dire, le peu que je joue au jeu en stream. Vu que je peux avancer... Je veux vraiment jouer en stream pour avoir des avancées et pas juste jouer comme ça, faire des quêtes random, tu vois. Je préfère ne... avancer tranquillement. Et vraiment, quand j'aurai plus aucun contenu, là oui, du coup,
Je partirai sur de la chasse au succès, des trucs un peu chiants, tu vois, que je pourrais faire vraiment quand je veux. Mais là, pour l'instant, je préfère profiter tranquillement de ce que le jeu a à m'offrir. Non, mais ça va, vraiment Genshin Impact, excellent jeu. Juste l'aspect gacha qui est vraiment le truc chiant, mais. Parce que trop radin, mais. Enfin, ça marche quoi, ils peuvent se permettre. Hein. Alors que MiHoYo, ils sont pas aussi radins sur leur autre jeu, c'est ça qui est étonnant. Alors suivez l'odeur. C'est par là. Maintenant c'est des fatuis. Même pas. J'imagine que ça va être un truc à transporter aussi avec des fatuis. En vrai là il y a un coffre facile à prendre. Hein. Après, tu es spécialement qu'on a plus communément une well. Non, vraiment pas du tout. Hein. Je suis un cash player maintenant, mais vraiment gentil quoi. Genre une well, c'est vraiment un mec qui va utiliser des centaines et des centaines d'euros, tu vois, et pour beaucoup de persos. Alors que moi, j'ai fait ça pour Eula et Baal, et c'est tout. Genre j'ai pas utilisé tant d'argent que ça et de toute façon je peux me permettre tu vois, j'ai pas une situation financière affreuse, je peux me permettre d'utiliser cet argent vraiment pour moi que je l'utilise ou non. De toute façon ma thune je l'aurais acheté dans autre chose tu vois. J'aurais investi dans des figurines si c'était pas dans des persos donc je me considère absolument pas comme une baleine tu vois à ce niveau là. Putain mais par contre faut aller loin là. Of course. Ça nous fait aller vachement loin quand même. Ah, l'odeur, c'est le sanglier. J'imagine qu'il faut dégeler ça, du coup. Faut vraiment que j'en active d'autres là. Enfin j'espère que c'est ici les trucs. Ouais, ça a l'air d'être ça. Bon ça va. J'avais peur que ce soit vraiment éloigné les trucs. Ah faut que je les allume dans l'ordre en plus. Pas le bon ordre. Non, j'en ai encore besoin. Attends, je vais voir les dégâts un peu.
Oh là là, c'est ridicule. Oh là là. C'est ridicule les dégâts. Ah ouais, là c'est ouf. Ah là, tu sens le personnage le plus... Tu sens le personnage le plus cher de Genshin et le premier personnage du jeu, quoi. Oh, attends, elle, c'est vachement en hauteur, là, faut... Ouais, on peut le faire à pied, mais attends, mais comment j'ai fait avant pour y aller? Je suis passé par où? Bon, tant pis, hein, on fait à pied. Bon, après, on fait quoi? On fait des quêtes normales, je pense. Ce serait bien de finir les quêtes d'Inazuma. Parce que la semaine prochaine, je ne jouerai probablement pas. Ce serait bien de finir les quêtes d'Inazuma, ouais. Allez, t'es parti. À quand des skins pour les voyageurs? À quand on booste des voyageurs? Bon, très intéressant cette quête toujours, hein. Tiens, bah dommage, ça aurait pu être l'occasion de voir ce qui se passe quand on rate. Oh bah là tu vois, je suis dans la merde parce que j'en ai un très bas. J'en ai un deuxième aussi qui est assez dans la merde. Mais d'accord, en fait c'est que les plaques sont trop proches, c'est pour ça que j'ai... C'est pour ça que j'ai eu de la difficulté. Bah là tu vois, je suis dans la merde parce qu'ils sont tous bas. Non mais là je vais rater. Ouais, enfin, je veux bien qu'il y ait de la difficulté, mais là c'est impossible. Ah mais putain. Est-ce que ça va me le valider? Putain, ça me l'a validé, mes mecs. Je suis resté au moins 10 secondes dans le froid. C'est n'importe quoi. Non mais là, je demandais un peu de difficulté, mais c'était juste impossible, en fait. Je comprends même pas comment j'ai réussi. Et du coup, derrière, il y a rien d'autre ? Décevant. C'est vraiment décevant. Là pareil, là on a tout fait. Bah là j'ai tout fait là. Mais y'a rien d'autre vraiment avec ça, c'est... Ouais, t'as espèce de quête d'histoire de Xiangling et c'est tout quoi. J'ai pas fait la quête d'histoire de Kokomi. Hein. Je m'en bats tellement les couilles de ce personnage que... Toujours pas fait sa quête d'histoire. Hein. Un jour, 22h. Oh, c'est bientôt tour de Tartaglia. Bon, au moins ça fait des primos, hein. Bon, vas-y, on va faire des quêtes. Hein. Et y a tout ça, ça va être une quête assez longue en vrai. Je pense qu'on va la, on finira par elle déjà. Déjà, je voudrais terminer le plus de quêtes possible à Inazuma. À chaque fois par stream, quand je veux faire des quêtes à Inazuma, j'en fais que 2 voire 3 parce que juste elles sont tellement longues en fait. Il n'y a aucune quête courte. Et celle-ci est interminable, je sais pas quand est-ce qu'elle s'arrête. Je crois qu'il m'en reste très 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 peu. Mais ce truc-là est interminable, vraiment.
Bon d'accord, j'ai compris. Ouais, j'ai même pas besoin de tous ces ults. Hein. Ouais, pas du tout. Pas besoin. Oh putain, bah si, elle. Ouais, en fait, non. Ah, j'en ai même pas besoin, j'avais même pas besoin de les tuer. Examiner et réparer les routes. Bla 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 bla. Ah, les routes, genre les ponts. On fait les grands tours. C'est pas pourquoi j'ai parlé comme ça. On fait le grand tour quand même. En vrai, si ce machin il est sur mon chemin, je veux bien, tu vois, mais. Est-ce que je peux interagir Ouais, ça m'est. Pourquoi? Ok, j'ai pas compris l'intérêt là, mais bon. Allez, bon. Merde. Oh non, putain. Ah non, fallait bien que je descende, c'est ici du coup, ouais. Oh, j'étais en... Non, faut que je remonte tout, mais même pas. Même pas. Trop bien. Et je me demande vraiment quand est-ce que ça va s'arrêter. Je sais même pas si... Est-ce qu'à un moment, cette zone ne sera plus électrifiée, genre? Est-ce que c'est ça vraiment la finalité? On fait tout ça pour que la zone ne soit plus électrifiée? Ça serait cool, mais qu'est-ce que c'est long, du coup? Ouais, il me parle de purification, donc ça doit être ça, cette zone, on va la retirer de l'électricité. Bientôt à R56, hein, plus que 5000 d'XP et on aura fini. Ça, c'est dans pas très longtemps, c'est rapide. Donc, ouais. Ok, bah du coup on va partir sur toutes les quêtes là. Hein. Vas-y, on va les faire dans l'ordre. Hein. On va pas en faire 20 000 hein, encore une fois, mais on va les faire. On va en faire. Ah. Et ça, c'est... Attends, là on va faire une quête de d'Inazuma, vous voulez me dire. Ça me semble vachement ne pas être Inazuma là où on est en fait. C'est pour ça que ça me... c'est bizarre, tu vois. Ça, c'est des gens d'Inazuma, c'est pour ça qu'on vient ici. Oh, le pute de slime là. Dès que j'ai fini mon dialogue, paf. J'ai l'impression que je suis obligé de les tuer. Ouais.
Ah ouais, carrément. Je me dis, il est bizarre ce caillou, mais... Sauver Yanner. Oh merde, j'aurais pas dû me barrer, j'aurais dû fly. Mais attends, comment elle est remontée? Elle peut prendre des points de téléportation, elle, comme nous? Bon. Oh! Enfin, on donne cette bouteille? Ah non, Hiromi. Attends, vous ne connaissez pas. Ah, et voilà, et là, on va bien Inazuma, du coup. Ok, donc c'était vraiment bien une quête d'Inazuma. Je me disais, mais what the fuck, j'ai déjà fait toutes les quêtes de l'IV de Mondstadt. Normalement, ils sont pas censés en ressortir, sauf si c'est des quêtes d'histoire ou je sais pas quoi. Mais c'est bon. Je suis en train de lire alors que je m'en battais les couilles avant. Résolver le problème d'Hiromi. Bah de rien, écoute. Ça va si c'est des quêtes rapides comme ça, tu vois, qui sont en 5 minutes top chrono. Ah putain, il faut retourner à... Ah non, même pas l'IV. J'ai vu 3500 km, mais non, l'IV c'est beaucoup plus loin. Obtenez de l'eau concentrée. Prendre de l'eau. Pourquoi j'ai... Pourquoi j'ai des moras qui viennent hein? Ils sont bloqués en l'air en plus. Ah mais j'ai du temps! Comment ça? Allez, let's go! C'est tellement moins intéressant. Ah bah attends, notre copain d'avant, là, il est où là? Il est mort, non? J'ai bien compris. On a toujours pas notre uniforme de la résistance. Très bien vraiment d'avoir un habit, un skin quoi. Enfin, ça c'est un truc que je comprends pas pourquoi ils le font pas genre. T'as Jean et Barbara qui ont des skins, tu sais pas pourquoi. Et personne d'autre en a alors que ce serait totalement logique d'avoir sur notre voyageur un skin. Je suis sûr là, ils pourraient faire vraiment des trucs énormes quoi. C'est tellement dommage qu'ils profitent pas de ça. Alors où doit-on aller? Rendez-vous à la grotte. Imagine la grotte qui mène à l'hypostase, hein. L'une des deux entrées. Tiens, mais c'est une grotte. Obtenez de l'eau limpide. Alors, je sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que je dois faire un certain combat.
C'est un boss très simple, hein, les mémoires. Putain, ils sont violents, les blobs. Hein. Ah, mais c'est vrai que ça, ça va le heal. Oh, de pas tant que ça, en vrai. M'attendais à plus. Attends, il est où? C'est quoi ça? Je sais plus s'il a une dernière phase. Ah ouais, il se relève vraiment instantanément. Lui, tu peux pas le prédire, quoi. Ah oui, non, il a vraiment un truc final. Ça s'est joué si peu, j'avais pas envie d'utiliser l'ult de Kaya. Oh non mais sérieux, tout ça pour Putain non mais tout ça pour ça. Attends, quelle invocation? Ah, il est là. Ouais mais c'est bien beau de me dire obtenez de l'Olympide mais Oh putain, c'est une putain de blague, j'étais pas obligé de faire le boss. Attends, il se régène. Comment ça, tu te régènes? C'est quoi ça? Où tu te régènes? Alors est-ce que... Ah non, j'ai d'autres Olympides à récolter. Ah mais j'en ai plein à récolter. Ah non. En fait c'est juste il y a 20 000 endroits où on peut en avoir, d'accord. Ok, ça va. Quelque chose de très rapide à faire. Ah, j'avais peur quand même que ça dure longtemps. Et si je dois faire tout le tour là, alors que j'ai fait le boss pour rien avant, ça m'aurait embêté quoi. Vous êtes revenu. Clic clic. Non mais là, y'a rien à faire, faut... c'est juste du dialogue. C'est chiant en vrai. Faudrait pas que je fasse ça en stream. Hein. Alors moi, quand je sais pas quoi faire, à la limite, tu vois, je regarde des vidéos. Au lieu de tourner en rond, je sais pas, faudrait que je fasse les quêtes. Hein. Les quêtes en stream, je trouve ça chiant en fait à faire. En fait, ça dépend. Il y en a intéressantes et il y en a d'autres non. Genre, il y en a bien et il y en a non. Et là, c'est chiant ce qu'on fait. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de lore, non, c'est juste des quêtes secondaires. Enfin, normal quoi, mais. On s'en fout du coup. Pouf! Ah oui, je crois que j'avais déjà voulu faire cette quête, mais j'avais pas de fleurs de cerisier. Donc maintenant, quand j'en vois, je les récolte vu que j'ai un perso électrique. Un rendez-vous au camp, mais faut que je sois en hauteur, j'imagine, sinon. Ça ne passe pas, bien évidemment.
Je vais regarder mes sauts électro d'ailleurs. Ouais, j'en ai que 6. Clairement pas assez. Je sais pas comment je pourrais faire pour en avoir des sauts électro. À part en allant farmer des électrocubus. Ah donc non, fallait vraiment que j'aille en dessous. Gros dégâts, hein. J'ai juste one shot tout le monde. Énorme. Putain, la design plus putain, pour un PNJ vraiment secondaire, tu vois, vraiment nul. Elle a un design plus élaboré que les autres. Tout ça. Ouais, elle a dit par les archons, donc c'est. Elle provient pas d'Inazuma, elle. Bon, de toute façon, tu t'appelles Anissa, ça m'étonnerait que tu sois japonaise. Votre petit compagnon. Là, juste un enfant qui vole, elle est limite. Pour résolver l'énigme. Ouais, mais. Il y en a un autre de truc comme ça? Je sais pas, là-bas, je vois un portail, mais je sais pas. Ouais, c'est bien ça, c'est ce portail-là. Je sais pas si j'ai quelque chose à activer en particulier. Parce que ça, il est bloqué. Moi, bon, j'en sais rien. Hein. Je crois que tous les escaliers ou derrière la maison, peut-être. Ah, derrière la maison. Dans la maison, en fait. Tout simplement. Même pas. Ah oui, là. Est-ce que je peux l'allumer à travers? Ouais, c'est bon. Bon, bah nickel. Bah merci. Ah, je l'avais pas vu, il était. Ah oh, bon, il était caché, c'est pour ça. Ah ouais, mais ça m'aide pas trop, genre. Je vois pas ce que je dois faire de ça. Faut juste que je les allume tous. Ah oui, je peux pas sauter. Peut-être que ça se transforme en plaque, non? Ouais. Je suis très déçu de. Pourquoi celle-ci ne veut pas? D'accord, je viens de voir pourquoi. J'avais pas vu qu'elle avait une espèce de zone comme ça bleue là. D'accord, donc c'était la dernière en fait, c'est pour ça. Je n'avais pas compris. Le crabe là, voilà. Et le trésor. Allô? Si tu m'avais pas dit, j'aurais regardé sur internet.
Tu es un malade. Bon, c'est fini la quête là? Et là, on va pêcher. C'est pas fini. Ce n'est pas fini. Eh, franchement, j'ai la flemme de faire des quêtes. À chaque fois que je fais des quêtes, j'ai la flemme de continuer. C'est un truc qui m'ennuie, ça, maintenant, dans le jeu. Avant, j'adorais, tu vois, mais maintenant... Franchement, je m'en fous. Hein. Ça m'intéresse plus. Vraiment, c'est quand je sais pas quoi faire que j'en fais, mais... aujourd'hui, je vais faire du Unite. Bah, ce soir, peut-être. Sinon, je mange tôt. Je mange tôt et je lance vraiment super tôt du coup du Pokémon. Bon blablabla. Allez, je pense qu'on va en faire une. On va faire une quête et puis voilà. On va s'arrêter. C'est bien 3 heures. Là, ce qui me semblait derrière, il y a un mob. Un truc bizarre quand même sur les changements de scène, je l'ai pas dit, mais à chaque fois tu sens la zone voilà se charge rapidement, tu vois. C'est assez chiant de voir ça. Hein. C'est un petit bug visuel, tu sens. Ouais. Voilà, trop de dialogue. Bien si dans l'eau on combattait des gros mobs comme ça. Ce serait bien vraiment du vrai combat sur l'eau, tu vois. Mais malheureusement, il n'y a pas. Vas-y, on fait une dernière quête, après on récolte la réputation et on va s'arrêter là. Attends, va. Tiens, bah ça là. Ouais, là. Là, il y en a un, celle-ci. Ça veut dire... Ça, j'ai déjà fait la première partie de cette quête, donc normalement, elle devrait se finir rapidement. Je l'espère. C'est parti les amis. Et où ça?
suis sûr quand je vais dire à ma mère, putain, j'ai envie de manger, en vrai, j'ai faim là. Elle va être en mode quoi? Comment ça? T'as déjà mangé tout seul ce midi? Enfin, à 14h, ouais. Sur ça, elle va se dire, mais quel foutage de gueule. Cet enfant. Mais moi, je fais ça pour le streaming. Je fais ça pour la passion d'Internet. Je n'y peux rien. C'est mon endo, maman. C'est ma voix du ninja. Je pense, en vrai, j'aimerais peut-être bien Amphinobi, vu que j'aime bien Pyrobut. Finalement, Pyrobut, je le trouve vraiment très agréable à jouer. Hein. Je le trouve vraiment très cool. Donc je pense qu'Amphinobi, ça serait un peu la même. Donc faudrait que j'essaye. Le truc, c'est que je trouve que c'est des Pokémon bien meilleurs en tant que jungler. Pour vraiment en profiter, il faut les jouer de jungler. Mais ça me fait un peu chier quand même de laisser, tu vois, un Pyrobut, le jungling. Je trouve pas... En fait, je trouve très agréable à jouer, vraiment bien, mais en jungler, pas assez puissant comparé à d'autres, tu vois. Un Pyrobut, c'est chill. C'est un Pokémon très simple à prendre en main, de toute façon. Non, mais j'aime bien. Mais en Finobi, faudrait que j'essaye aussi. Faudrait que j'essaye de maîtriser un minimum tous mes Pokémon actuels pour... vraiment pouvoir... me proposer, enfin, pour pouvoir m'adapter à tout type de team. Donc il me faudrait un perso un peu support tank, tu vois. Mais pas Ramolos, faudrait peut-être que j'achète Tortank en vrai. Tortank même, ou Ronflex. Plutôt Tortank, je pense. Tortank me le fait bien plus qu'en Ronflex. Hydrocanon Surf ou Hydrocanon Tour Rapide. Je sais pas, surf c'est bien. Mais si je joue surf, je joue pas le buddy, l'eject button. Je prendrais plutôt un autre item, je sais pas quoi. Mais... Peut-être un plus vitesse. Je sais pas. Ou en plus attaque. Plus attaque sur l'ulti. Pour être sûr de mettre KO tout le monde, tu sais. Comme si l'ulti n'était pas assez puissant, tu sais. Tu rajoutes un petit bonus de dégâts de je sais pas combien de pourcents. Même pas envie d'ult, j'ai même pas besoin. Ils m'ont rien drop tout cela? Étonnant. Et ben nous avons déjà fini cette quête. Bon, de toute façon, je l'avais déjà bien démarré. Mais au moins c'est bien, c'était rapide. Eh, on arrive à monter les escaliers presque bien quand même. Hein. C'est fou. Quelle est ma réputation? Ah, il me manque pas mal des quêtes quand même. Hein. Oh non, il me manque rien. Oh non, il me manque un seul. Ah, trop triste. Et bah, les 10 secondes, on s'arrête là. C'est pas mal, moi, je l'ai. Hein. Ouais, j'ai regardé les animés. Et on jouera ce soir à Pokémon Unite. Et bah, écoute, merci d'avoir suivi ce stream.